Et on est censé être en direct. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nico de Web Radio TV Akasha et Sorine André, pour cette émission donc de fin de saison. Hein, voilà, on est l'été approche, même si le temps est très orageux sur toute la France. On peut même entendre un petit peu de pluie chez Sorine. Ça risque de recommencer, mais enfin bon, ça fait toujours un petit bruit de fond, mais bon, c'est je pense qu'on n'entend pas trop. Alors, ben voilà, donc une émission de fin de saison, donc l'été approche, et puis on a voulu réitérer l'expérience faite à Noël, c'était en fin d'année, avec le système des sujets libres et des questions libres, donc l'émission est à vous, auditeurs et auditrices. Alors, hop, je change de scène, et bonjour Sorine. Mais je te laisse argumenter, moi je regarde le retour. Je regarde le retour. Eh bien, écoute, entendu, parce que moi, ça va me permettre de trier en même temps. Parce qu'il y a eu quelques questions personnelles. Bon, toutes ne sont pas personnelles. Il y a eu des questions d'ordre général, donc quelques questions dans le personnel. Mais donc, je vais les garder un petit peu pour la fin. Donc, tu fais bien de me le dire. Ok. Ah, il y a pas. Alors, Sorine, alors il n'y a pas de son pour toi. Voilà, c'est bien. Alors, justement, j'allais demander si donc un retour. Alors, s'il n'y a pas de son pour toi, je vais régler ça. Je vais régler ça. Alors là, est-ce que c'est Coucou. bon? Alors. Voilà, je m'amuse à faire des mimes. Dites-moi si c'est OK, si on m'entend. Alors, j'attends un petit retour. Est-ce que c'est bon pour le son de Sourine? Alors, ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Alors, Sourine, si tu veux parler, pour voir s'il n'y a pas d'écho dans ta Moi, il n'y voix. a pas d'écho. Ah oui, OK, bien sûr, mais j'ai pas d'écho de mon côté, en tout cas. Alors, Ça, Pierre, c'est salut très Pierre. agréable. Pierre qui nous dit son, Coucou. ok. Donc, Yeah. on Donc, je a. vais refaire mon introduction. Voilà, oui, voilà. Ça marche. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, c'était pour vous dire que cette émission, c'est vraiment chouette parce que c'est l'émission imprévue, c'est-à-dire que tous les sujets peuvent être abordés, qu'ils concernent la psychosomatothérapie, la médiumnité. Tous les sujets, ben, pour lesquels je suis en mesure de répondre, évidemment, hein, je ne vais pas vous inventer une réponse que je ne pourrais pas vous apporter. Et tout ce qui est question personnelle, même si c'est parfois difficile de voir la frontière entre le généraliste et le personnel, j'aimerais qu'on les garde plutôt pour la fin de l'émission parce que c'est une émission qui est destinée à pouvoir être écoutée plusieurs fois et d'avoir un enseignement aussi dans toutes les émissions. Et c'est vrai que les questions vraiment voyance personnelle, j'aimerais les mettre, ben, soit il n'y en ait pas, mais je ne veux pas non plus fermer la porte, ou soit qu'on les mette plutôt à la fin de l'émission parce qu'il me semble que c'est mieux de faire comme ça.
et qu'on réponde d'une manière plus générale, même si les questions générales touchent du personnel, on est bien d'accord. Donc ça va être dur de faire la différence. Mais par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça, c'est du personnel. Par exemple, si on a une question sur la notion de couple dans la spiritualité, ça, c'est à la fois personnel et pas personnel. Vous voyez, il y a des questions qui peuvent vraiment être un peu mélangées dans les deux plans. Donc on va faire en Okay. fonction. Et puis de vous sentir libre de poser vos questions au fur et à mesure, parce que la question de quelqu'un d'autre peut en éveiller une chez vous. Et donc c'est chouette quand c'est spontané. Je me rappelle de l'émission de décembre, c'était vraiment agréable de passer d'un sujet à un autre, c'est super. Et puis on a aussi une information à vous transmettre, une petite surprise de juillet. Donc je ne sais pas si on attend peut-être un peu dans l'émission Oui. pour le dire, ou la fin, on fait un peu de teaser, quoi. Ouais. Vous en saurez plus très bientôt, même si effectivement ça a déjà été publié, mais pour ceux qui ne voient pas les publications Facebook, il y a une petite surprise et je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être super. Eh bien, moi aussi. Mais en tout cas, il y a les questions qui arrivent, donc on va pas trop traîner. Ouais. Alors, je vais D'accord. commencer par. Alors, bon, je vois les commentaires hein, sur le chat YouTube. Alors, donc, je vais commencer donc par les questions qui nous sont arrivées en premier par mail. Hein, donc, ce qui semble logique, vu que c'est elles sont arrivées un petit peu avant l'émission. Donc, on commence par le début. On commence par le début. C'est une vérité de la palisse. alors, de temps que je regarde. Voilà. Alors, il y avait une. Alors, il y avait la question de Marie-Claire. Oui. D'ailleurs, qui est carrément, qui peut devenir carrément un sujet d'émission. Donc, si tu veux un petit peu l'évoquer. Donc, bonjour, je propose le sujet suivant. Quand le métier devient le reflet de l'être, reflet de l'âme. Merci d'avance de prendre en compte ce sujet. Quand le métier Alors, devient le. elle m'a envoyé cette question et je lui ai répondu que cette question me semblait un petit peu vaste, large, et elle a re-répondu. Je ne sais pas si tu as la suite de la réponse, j'aimerais bien qu'on la joigne à la question. Alors, oui, voilà, donc c'est bon, je l'ai. Sinon, je peux la trouver, Non, hein. non, c'est bon, je Oui. l'ai trouvé. Hein, ouais, donc justement, en effet, non, mon sujet n'est pas clair du tout. Je reformulerai ainsi, comment trouver le métier qui corresponde le mieux au reflet de son être, au reflet de son âme? Alors, et je crois qu'elle avait d'autres questions, mais il me semble qu'après, C'est différent. ça varierait sur d'autres réponses. Exactement. En fait, c'est une question assez difficile à répondre parce que tout dépend du chemin d'âme de la personne, du chemin de vie, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'est incarnée pour s'accomplir dans un travail ou alors est-ce qu'elle s'est incarnée pour s'accomplir dans une autre situation qui peut être une situation familiale, d'indépendance personnelle, de réalisation artistique de loisirs, ça peut être d'autres sujets en fait qui font que le professionnel va devenir annexe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément important d'avoir un professionnel épanouissant en reflet de l'âme, puisque le reflet de l'âme et le chemin de vie sont tout autres. Par exemple, si mon chemin de vie c'est l'épanouissement, réussir à sortir de la souffrance, ça peut être donc à être heureux, réussir à fonder un foyer stable, ça peut être tout un tas d'autres sujets qui concernent pas forcément le professionnel. Et donc là, il va se passer quelque chose. C'est que bien souvent, le professionnel, il peut couler de source quelque part, il peut se mettre à fonctionner sans pour autant qu'on fasse un travail le plus épanouissant possible, mais que ça nous suffise. Et pour moi, ça, c'est important parce que il faut faire la différence entre ce que même les psys, le développement personnel essayent d'inviter à faire, c'est-à-dire être heureux dans tous les domaines, et la spiritualité invite aussi à le faire. Mais moi, je mets toujours un bémol, c'est quel est ton chemin d'âme? Si ton chemin d'âme, c'est de te concentrer sur un autre sujet, eh ben, concentre-toi sur un autre sujet et tu verras que finalement, c'est pas un objectif en soi. Voilà. Maintenant, pour repérer, en fait, si on est sur son chemin d'âme, il faut commencer à remarquer si quand je fais quelque chose, est-ce que c'est facilité ou est-ce que je rencontre des difficultés? Est-ce que ces difficultés, une fois que je les ai dépassées, je rencontre d'autres difficultés ou est-ce que ça devient facilité? Vous voyez, c'est un peu cette question qu'il faut se poser pour voir si on avance sur son chemin. Et de bien se connaître finalement, de réussir à bien se connaître. Donc un travail pour être un reflet d'âme, oui, ça va convenir à tout un tas de personnes, et puis pour d'autres personnes, cette question-là n'existe pas parce qu'elle n'est pas importante pour eux.
Donc moi, j'aimerais vraiment, s'il y avait une chose à apprendre dans la vie, c'est que c'est pas la peine de mettre des règles générales. Alors, je suis en train d'en mettre une en disant ça. Hein. La règle générale, c'est de ne pas en mettre. Voilà, j'en mets une si vous voulez. Mais c'est vraiment de dire, ça va dépendre de chaque personne. Et en fonction de chaque personne, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver une direction. Ensuite, pour pouvoir faire... Mais tu as raison, ce sujet, on pourra en faire une émission complète. Donc, peut-être qu'on pourra le faire si c'est un sujet qui intéresse du monde. N'hésitez pas à intervenir. Et parce que c'est vaste en fait, parce qu'il y a tellement de réponses à apporter. Mais je voudrais répondre d'une manière claire et quand même assez générale, parce que si je rentre dans tous les cas particuliers, on est parti pour toute l'émission. Donc c'est un peu, c'est dommage pour les autres questions. Ben, Voilà, déjà, est-ce que ça paraît clair? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez besoin de précision? Intervenez surtout, hein, c'est. de toute façon, je pense qu'on moi, ça m'intéresse de faire une émission à part entière là-dessus, parce que comme tu dis, il y a beaucoup à développer sur cette question, il y a beaucoup à développer sur ce sujet. Bon, en plus, notamment dans la période actuelle où on vit, où on est sur du chômage en masse, où les gens sont dans des périodes de doute pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire vraiment, parce qu'on change, on va d'un métier à l'autre, tu vois. Donc, on est Oui. à. Donc, je pense Et que puis, il me c'est. semble aussi qu'on est dans une transition dans ce domaine-là, c'est-à-dire que travailler, la notion de travail comme on peut, comme elle peut exister aujourd'hui, il me semble que demain, après-demain, enfin dans les années qui viennent, elle n'existera plus de la même manière. En fait, la notion de travail, c'est plus possible finalement de travailler de la même façon. Exactement. Donc, ça peut ouvrir un sujet, pourquoi pas orienté seulement sur le travail. Mais ça peut aussi ouvrir un sujet orienté sur comment savoir quand on est sur son chemin et comment détecter quel est son chemin d'âme, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. À part d'aller voir quelqu'un qui nous le dit comme un médium, bien sûr, ça c'est possible, mais comment faire soi-même pour le sentir, en avoir cette perception. Donc ça peut être un sujet à part entière qui serait un peu plus large que la voie professionnelle. Et on pourrait faire l'émission en deux parties, effectivement. Le professionnel, le personnel, ou trouver plusieurs parties à cette émission. Je pense que c'est un bon sujet. Merci beaucoup, Marie-Claire, en tout cas, pour la question, parce que c'est un très bon sujet. Mais voilà, alors, je n'ai pas répondu tout à fait précisément à la question, mais j'espère que ça donnera une orientation. Et puis, pour savoir comment faire pour répondre à son chemin d'âme, pour moi, ça va plus loin que le travail, c'est-à-dire. Il y a des bases, c'est connaître son plus haut potentiel, se connecter à son potentiel et se faire confiance. Et là, on a déjà réussi à faire quelque chose. Maintenant, si on veut que ce soit le monde qui change pour nous permettre de faire ce que l'on souhaite, là, on n'est peut-être pas sur la bonne piste. Vous voyez? Bon, en tout cas, à développer. Voilà, puis si vous avez besoin de précision, posez-le dans le chat. Et puis sinon... Sinon, on le développera au cours d'une autre émission. Voilà, donc voilà. Alors moi, je navigue entre le chat et le mail. Donc, je demande l'indulgence si je traîne un peu. Donc, Cathy, oui, justement, mais Cathy qui dit que c'est un très bon sujet. Alors, du coup, on va passer aux deux autres questions de Marie-Claire, dont justement, il y a une question qui me parle beaucoup, et tu vas comprendre pourquoi. Quoique, si tu as lu le mail, tu devrais comprendre pourquoi. Je m'en rappelle plus en fait. Je me rappelais très bien de celle-là, mais je t'avoue que les deux autres parties, je te les ai transférées rapidement en fait, donc je m'en rappelle plus. Alors, autre interrogation. Donc, je continue le mail de Marie-Claire. Autre interrogation. Pourquoi la voix est-elle intimement liée? Alors, pourquoi la voix VOX est-elle intimement liée à Ah la oui. voix VOIE? Et alors, je peux éventuellement te poser l'autre question qui est liée donc à la première. En quoi le chant peut-il nous aider à nous relier à soi et aux autres? Alors, on est des êtres en vibration, des êtres énergétiques. Donc, la voix, c'est une vibration qui s'exerce. Et puis, là, dans ma formation, j'ai fait une formation aussi en musicothérapie où on a pas mal étudié ça. Et en fonction de la manière dont la voix est posée, eh bien, ça peut rien. Les personnes qui sont experts hein, sur ces sujets-là, rien qu'à la voix, ils peuvent détecter des informations sur la vie de la personne, sur son caractère, sur sa manière d'être.
avec savoir où est placée la voix. Est-ce que c'est une voix de tête? Est-ce qu'on va l'exprimer dans la gorge? Est-ce qu'elle va être plus profonde? Donc, et puis même, n'importe qui est capable de le faire. Il y a des voix, tout de suite, on va les trouver stressantes, par exemple. Il y a des voix qu'on va trouver apaisantes. Et de manière un peu générale, 80% de la population peut trouver une voix stressante et dire oui à la même voix stressante. Parce que certainement, ça va aussi dénoter d'une personne speed, anxieuse, on va sentir ça dans la voix. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, le corps, c'est le véhicule, hein. Notre corps, évidemment, ben, c'est complètement la personne à part entière, bien sûr. Mais ensuite, c'est ce qu'on en fait. C'est tout, on pourrait relier à ça aussi à la santé physique. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de sa voix? Qu'est-ce qu'on fait de la manière dont on parle, qu'est-ce qu'on fait de la manière dont on se pose, est-ce qu'on va, par exemple, ne pas, oh, je n'ose pas trop parler, ou alors est-ce qu'on va dire, oui, bien sûr, je suis là, écoutez-moi, de parler d'une voix très forte et attirer l'attention, comment on pose sa voix, en fait, ça fait partie des moyens de s'exprimer et de communiquer avec l'extérieur. Donc ça, c'est important. Et en bougeant la vibration de la voix, la manière dont ça vibre dans notre corps, eh bien, diffère, ça bouge. Donc, ça va nous envoyer des vibrations différentes. Quand on écoute une musique, par exemple, si on écoute des percussions, ça va nous amener à un ancrage parce que la vibration, elle va nous amener vers le bas. Quand on écoute il y a des musiques qu'on appelle des musiques déstructurées qui vont nous amener à permettre de lâcher le mental ou au contraire être complètement bloqué dans son mental parce que à un moment donné, ça va être plus des musiques de tête. Quand on étudie la musicothérapie, effectivement, on étudie aussi tout ça. Et en travaillant sa voix, VOIX, eh bien, effectivement, on peut affirmer sa voix, VOIE, parce que plus on est aligné avec soi-même, plus la voix réussit à, VOIX réussit à se poser, et plus on peut comprendre, en fait, la direction vers laquelle on va. Et on le voit bien quand on est dans un état de stress intense ou peut-être qu'on va se mettre à parler vraiment très rapidement et puis un petit peu serré. Vous voyez, on peut parler avec la bouche un petit peu serrée et dans ce cas, on sent tout de suite la manière dont ça se pose. Ou alors, on va aller parler vraiment, oui, je t'écoute, d'avoir une voix plus profonde, d'être à l'écoute. Les voix, par exemple, que je peux prendre quand je fais faire des méditations, c'est une voix spéciale. J'utilise pas la même voix pour ça, parce que dans ce cas, on communique, on vibre d'une autre manière. Il y a tout ce qui est énergétique que l'on envoie et qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, mais qui se ressent. Et puis la voix VOIX, elle, on l'entend et on la capte. C'est-à-dire que parfois, on peut même entendre une conversation sans comprendre les mots. Et simplement de sentir un peu dans quel état d'esprit peuvent se trouver les personnes. Est-ce que, bon, bien sûr, il peut y avoir des cris, donc ça donne des indices, mais même dans le débit de la voix, dans l'intonation, on peut sentir déjà quelque chose. Donc la voix, on dit que le regard est le reflet de l'âme, mais pour moi, la voix aussi, tout est le reflet, le corps, puisque quand dans le corps, on a des mots, M-A-U-X, pardon, je ne sais plus comment dire. Quand on a des mots dans le corps, eh bien, on peut les constater. C'est quelque chose qui va, à un moment donné, nous sauter au visage, apparaître ou qu'on va ressentir. Donc, tout, ce n'est pas seulement la voix. Pour moi, la voix, c'est une méthode. C'est-à-dire que si, pour vous, Marie-Claire, la voix, ça convient, de travailler sur la voix VOIX, eh bien, volontiers, allez-y. Il y a plein de personnes qui travaillent sur la voix et l'on connaît à titre personnel des thérapeutes ou des personnes qui s'occupent de chœur, de chorale, enfin, et que ça aide énormément de travailler sur la voix. Et puis, il y a le yoga du son, par exemple, où on va envoyer des vibrations qui vont faire du bien au corps. Donc, il y a plein de moyens de mieux se connaître et d'améliorer le bien-être. Il faut simplement trouver celui qui est le plus adéquat pour soi, en fait. Et si pour toi, c'est la voix, si pour toi, c'est l'exercice physique, si pour toi, c'est la méditation, c'est génial parce qu'on a la chance d'être dans cet environnement tellement riche qui est le monde de l'incarnation, de la matière, parce qu'on peut aller sur tous les plans. Dans le monde spirituel, désincarné, on ne peut pas vivre tout ça. Ça n'existe pas. Alors, on peut vivre d'autres choses, on est bien d'accord. Mais là, c'est comme si on était dans une ère de jeu gigantesque. Et puis, je vous le dis comme si j'en étais hyper consciente. Mais en fait, non. Parce que, en vous le disant, j'en prends conscience aussi que finalement,
on a une aire de jeu assez géniale et que peut-être on devrait, et je me le dis aussi à moi-même, moins se prendre la tête au quotidien et puis profiter de cette aire de jeu absolument formidable. Et dans des exercices en musicothérapie, dans des exercices de groupe, on peut émettre des sons très graves, des sons aigus et puis trouver son propre son. Ça, on peut le faire. Vous pouvez même le faire directement, faire un et essayer de le monter le plus haut possible. Ou alors là, je l'ai fait trop rapidement, bien sûr, puis je ne veux pas vous casser les oreilles non plus, parce que c'est pas mon son qui est important, c'est le vôtre. Mais si vous essayez de le faire là pendant que je vous parle, vous verrez que la vibration, elle va vibrer à un endroit ou à un autre de votre corps. Donc c'est des choses que vous pouvez faire. Et puis si ça vous plaît, ben, d'expérimenter avec un spécialiste qui peut vous aider ou de prendre des cours de chant. Voilà, donc j'ai un peu digressé parce que pareil, merci Marie-Claire, on pourrait vraiment faire des sujets à part entière de tes questions, c'est génial. Oui, mais en tout cas, c'est Donc noté pour la prochaine saison, hein, ne serait-ce que déjà la voix professionnelle et puis la voix pour la voix, voilà, en gros. c'est ça, la voix, en fait, la voix VOIE et VOIX, mais pas que professionnelle. On pourrait faire que professionnelle, on verra. Mais je pense qu'il faut voir les choses d'une manière plus globale parce que il y a des personnes pour qui le professionnel, ça roule, et puis qui vont avoir des difficultés familiales ou avec leurs enfants ou avec leurs épouses ou avec leur mari ou avec... Il y a plein de sujets ou qu'ont des problèmes, j'en sais rien, de santé ou des problèmes matériels alors que le boulot, ça coule de source. Donc, c'est vraiment comment trouver sa voie, VOIE, son chemin et faire en sorte que ça vibre avec le chemin de vie. Ah oui, encore une chose, mais c'est vrai qu'on pourrait partir longtemps sur ce sujet, donc il faut que je fasse attention à la longueur de mes réponses. Encore une chose, c'est que quand on a vécu dans nos vies passées, on a vécu des professions. Par exemple, j'en sais rien, on a été notaire, puis on a été avocat, puis on a été, j'en sais rien, secrétaire de direction. Donc ça veut dire qu'on est habitué à l'organisation, à la loi, aux paperasses, etc. Donc ça veut dire que dans cette vie, ça veut dire qu'on a l'expérience, on est doué dans ces domaines-là. Parce qu'on a bossé depuis plusieurs vies dedans. Donc imaginez comment dire, c'est pas une expérience de 10 ans, c'est une expérience de 3 vies, par exemple. Donc c'est une plus grosse expérience. Donc dans notre vie actuelle, peut-être qu'on va exercer un métier administratif, que peut-être on va pas s'épanouir dedans, mais que ça sera hyper facile. Parce que on aura cette facilité parce qu'on l'a déjà fait dans une vie passée. Et parfois, on peut s'en contenter. On se dit, voilà, je fais, c'est facile, ça me convient, j'avance, parfait, et j'oriente mon énergie sur un autre domaine. Ou alors, on peut dire, non, dans cette vie, je vais faire un métier, j'en sais rien, artistique, ou alors très manuel, par exemple. Et là, ça peut être plus difficile parce que si c'est, je sais pas, on veut devenir boulanger, et si c'est la première vie dans laquelle on fait un métier manuel. Ben peut-être que ça sera plus difficile, mais on sentira que c'est ça qu'on a envie de faire. Voilà. Mais après, je ne veux pas trop affirmer le sujet. Alors, juste un petit message à ceux qui nous écoutent via le chat live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que là, parce que des questions par mail, il en est arrivé quelques-unes, mais je pense qu'il y a aussi quelques questions personnelles. Donc, le temps de trier, on sera vite arrivé au bout, je pense. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube. Moi, je les regarde et puis j'enchaînerai avec les questions YouTube par le chat live après avoir posé toutes celles reçues par mail. Alors là, par contre, on a un message de Plessikawa. Je lis le message en même temps que je. Alors, je lis le message Sorine, je crois qu'il n'est pas trop perso. Bonjour, je ne connais pas Sorine André, mais je connais Père Louise qui a la même sensibilité, donc j'ai deux questions à poser. Communiquer avec un défunt, nous le désirons tous, mais en même temps, j'ai la sensation de les déranger en les attirant vers des vibrations qui ne sont pas les leurs. Donc, qu'en est-il? Rêver en permanence d'une personne défunte et continuer à mener une vie quotidienne avec, quel est notre état dans cette phase nocturne de notre vie et y a-t-il une autre réalité? Merci de vos réponses et de votre Alors, on présence. va la prendre en deux parties. Plutôt aborder la première partie qui est quand on communique avec un défunt, est-ce que on fait baisser son énergie ou est-ce qu'on peut le fatiguer ou je me rappelle pas du terme exact en fait. Alors attends, je vais te. Je Mais remets. quoi qu'il en soit, en fait, si vous voulez, c'est vraiment génial de se poser cette question. Bravo.
parce que déjà, ça montre, comment dire, un respect du défunt que tout le monde n'a pas, et c'est pas méchant, parce que on peut très bien ne pas avoir ce respect-là parce qu'on est dans la peine et que nous, la seule obsession importante, c'est simplement de communiquer avec son défunt sans même penser que ça puisse lui faire quelque chose. Donc, quand je dis que c'est génial de poser cette question et que tout le monde ne le fait pas, je sais très bien pourquoi on ne le fait pas. C'est pas par méchanceté contre le défunt, pas du tout. C'est au contraire parce qu'on est dans une grande souffrance et qu'on a besoin de proximité. Maintenant, le défunt, effectivement, ça dépend la manière dont on va procéder. Est-ce qu'on le convoque ou est-ce qu'on lui propose de venir? Alors, Perle et moi, par exemple, quand on fait des communications avec les défunts, alors je ne veux pas parler à la place de Perle, même si on se connaît bien et que je sais à peu près comment elle fonctionne, mais quoi qu'il en soit, c'est de demander de laisser l'espace nécessaire au défunt pour qu'il puisse se présenter. Et si pour lui, ce n'est pas juste, alors il ne viendra pas. C'est pour ça que parfois, une consultation, ça peut très bien ne pas fonctionner. Il ne faut pas se dire, on convoque et puis c'est bon. Non, moi, j'aime vraiment pas cette manière de faire parce que sinon, on va peser l'énergie du défunt pour qu'il vienne en discussion. Donc ça, c'est pas le but. Puis globalement, je crois que la plupart des médiums font vraiment attention à ça. Et avant une consultation avec un défunt, ça peut être bien que la personne qui veut communiquer avec son défunt, ben, pense à lui dise, tiens, je voudrais bien que tu me fasses un signe, mais sans le peser. Alors là est toute la différence parce que quand on est dans une grande peine, eh bien, on a tendance à insister pour que le défunt se manifeste. Mais sachez que on n'est pas Dieu sur terre, ni le défunt non plus. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge, ils ont des guides qui sont là pour les accompagner, et on ne peut pas non plus leur faire le mal qu'ils ne souhaitent pas eux-mêmes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des défunts qui vont rester très proches, à proximité des vivants, donc vraiment très très proches. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-mondes, c'est entre le monde des vivants et le monde désincarné, il y a l'entre-deux-mondes qui est l'endroit où on fait son bilan de vie. Et puis dans cet endroit-là, la plupart des personnes arrivent dans un niveau intermédiaire. Mais il est tout à fait possible que le défunt reste le plus près possible des vivants pour pouvoir communiquer avec eux, leur envoyer des signes et refuse quelque part d'avancer dans leur bilan de vie. Donc dans ce cas, le défunt est complètement partie prenante et préfère rester proche de ses vivants pour ben, avancer avec eux, faire en sorte d'être sûr qu'ils vont bien. Donc on peut s'aider les uns les autres, si vous voulez. Mais il ne faut pas croire que l'un a du pouvoir sur l'autre. C'est les deux qui ont du pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à laisser son défunt continuer son chemin, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de contact, hein. Mais si à un moment donné, il faut lui laisser continuer son chemin, mais si on a du mal à le laisser faire, le défunt, il a aussi la possibilité de décider de continuer son chemin, puisqu'il est accompagné, guidé. Après, en 2 minutes, c'est trop difficile de faire une réponse précise parce qu'il faudrait préciser encore beaucoup de choses. Encore une fois, merci pour la question. Il faudrait une émission à part entière. C'est génial, en fait, Oui, de Antoine. faire ces émissions. Ça nous donne les sujets de l'année, du coup. Merci beaucoup. Et effectivement, quand vous êtes dans l'intention qu'un défunt vienne communiquer avec vous, s'il vous plaît, laissez-lui la place pour décider et ne pas insister, viens, viens. C'est comme si on allait frapper à la porte d'un voisin. Soit on lui met une enveloppe dans sa boîte aux lettres, ou on lui passe un coup de fil, ou on lui envoie un SMS pour lui dire, tiens, si tu veux, tu passes prendre un café quand tu es dispo. Ou alors on lui dit, tu viens maintenant, et puis on tambourine à la porte jusqu'à ce qu'il débarque chez nous pour boire un café. À un moment donné, on va saouler le voisin, je pense, hein. Donc, le défunt, on ne va pas le saouler dans le sens où on ne va pas l'énerver, mais on peut fatiguer avec ça. Voilà. Mais la différence est très ténue parce qu'il ne faut pas croire qu'on a tant de pouvoir que ça. C'est trop de penser qu'on a tout ce pouvoir-là sur les défunts. Moi, je suis pas du tout d'accord pour dire qu'on a un pouvoir incroyable de les convoquer de cette manière. Voilà. Donc, ça serait ma question. Et est-ce qu'il y a d'autres mondes quand on vit dans le monde des rêves? Alors, il y a des personnes qui disent que dans le monde des rêves, effectivement, on va visiter d'autres dimensions. Pour moi, c'est comme des calques empilés les uns sur les autres, hein. C'est l'image que Perle utilise aussi et que j'aime bien. C'est-à-dire que les choses se vivent complètement en même temps, en parallèle. Et sauf qu'avec ma perception d'être humain, j'ai la possibilité de capter les objets, le monde
le monde physique, vous voyez, j'ai mon téléphone, je peux toucher, c'est dur parce que c'est un objet, mais en même temps, finalement, c'est pas vraiment quelque chose de solide si je me mets dans une autre perception. Si je me mets à capter le monde spirituel, ben, mon téléphone, il aura plus grand intérêt au niveau de sa solidité. Donc, selon les mondes dans lesquels on se situe, effectivement, ils vivent en parallèle et on peut soulever un calque et aller visiter un monde. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que tout le monde peut le faire? Je ne sais pas, j'en ai pas l'impression, mais le monde des rêves peut nous aider à aller visiter quelques calques, effectivement. Après, il y a plusieurs, je sais qu'il y a plusieurs, on va dire, entre guillemets, degrés de rêve. Il y a ce qu'on appelle le rêve digestif, ce qu'on appelle qui Oui. est, ce qu'on appelle le rêve digestif, ou quand on n'est pas vraiment, quand on est un peu malade, ou quand on n'est pas totalement hors du corps. Parce que bon, dans la notion de rêve, il y a aussi la notion que. On quitte pendant la nuit, ou alors pendant le temps du rêve, le corps physique. Donc, il y a ce qu'on appelle le rêve digestif, et après, à contrario, il y a l'extrême, il y a ce qu'on appelle le rêve vision. Ce que moi, enfin, personnellement, j'appelle le rêve vision, c'est le rêve où quand on se réveille, on ne sait plus trop où c'est qu'on habite. C'est-à-dire pendant quelques secondes, on ne sait plus même quel jour il est, voire même qui on est. Ça n'y a pas longtemps, mais ça fait très drôle. Et là, c'est pour toi une explication qu'on a été vraiment dans un stade du rêve qui était plutôt avancé. Ben, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question d'abord parce que je ne suis pas du tout spécialiste du rêve et que le rêve peut amener une discussion avec le monde spirituel, c'est-à-dire qu'on peut faire une invitation avant d'aller dormir pour que nos guides viennent communiquer avec nous, un défunt vienne nous donner une information et venir nous voir. Après, il y a tout ce qui est sortie astrale qui n'est pas ma spécialité non plus, donc je préfère laisser parler des personnes qui connaissent très bien le sujet. Et effectivement, là, on va faire une sortie et visiter complètement concrètement des lieux physiques, un autre monde. Mais tout ça, c'est des choses différentes. C'est soit le spirituel vient dans le rêve pour communiquer, soit on part du physique pour aller dans un D'accord. autre monde. Ce qui me paraîtrait un petit peu plus dangereux d'ailleurs, parce que c'est pas privilégié, sauf pour des personnes qui ont des prédispositions. Et les prédispositions, en général, ben, on part sans s'en rendre compte, hein. C'est pas la peine Je suis de d'accord. forcer ce départ. Et ça s'apprend, ça peut se faire, mais moi je le déconseille et personnellement, je vois pas trop. Je sais que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, on va aller faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou tester une nouveauté ou. Mais on n'est pas tous des artistes peintres de renom, on n'est pas tous capables de dessiner des trucs de fou, on n'est pas tous des jardiniers complètement extraordinaires qui savent mélanger les plantes entre elles et faire des choses magnifiques ou des fleuristes qui font des bouquets incroyables. On n'est pas tous ça. Donc c'est pas parce qu'on trouve un bouquet qui est joli qu'on va devenir expert fleuriste et puis après expert jardinier, puis après expert cuisinier, puis pourquoi pas, on peut s'intéresser, mais à un moment donné, on n'a pas tous le même niveau d'apprentissage et je crois qu'il faut aussi accepter ça et voir ce qui est juste pour soi et qui répondrait à la première question, hein, c'est-à-dire comment savoir, comment aligner notre vie terrestre avec le chemin de vie que l'on a décidé en tant qu'âme. Très bien. On voyait, ça se rejoint, hein, c'est drôle. En tout cas, merci beaucoup pour ces questions. Eh bien, on va passer à la question de Vivienne. Alors, du coup, voilà, question de Vivienne. Donc, comment faire disparaître les blocages qui nous empêchent d'accéder à nos capacités? Alors, de quelle capacité on parle? Alors, par Mais contre, quoi qu'il en soit, je peux répondre quand même puisque c'est la même réponse finalement. En fait, ça va dépendre de chaque personne, mais ça, je pourrais faire cette réponse d'une manière complètement répétitive. Et puis, je pourrais vous conseiller une émission qu'on a fait qui est sur les peurs, de se libérer de ses peurs puisque les blocages, ça passe souvent par des peurs. Et il y a un exercice dans cette émission qui est assez intéressant pour déjà prendre conscience de ce qui nous bloque, de ce qui nous fait peur. En fait, cet exercice, il est fait sur les peurs, mais on peut le faire sur n'importe quoi, en fait. On met un sujet et puis on fait l'exercice en question. Donc, je vous renvoie vraiment vers cette émission parce que je ne vais pas le réexpliquer là,
Je pense qu'il faut plutôt privilégier de donner des réponses. Et c'est une réponse, puisqu'après, vous pouvez aller voir l'exercice. Et il me semble que je l'ai peut-être même extrait de la vidéo et que j'ai mis juste l'exercice tout seul. Je ne sais plus. De toute Quoi façon, qu'il en on soit, avait oui, prévu, de est-ce que, refaire, tout ouais, à fait. voilà, est-ce que moi j'ai coupé? On avait même prévu de refaire, bon, sous un autre aspect, avec d'autres questions, mais une émission qui concerne tout ce qui est, enfin, sur la peur, en gros, sur toutes Sur tes les peurs, peurs, les blocages, en fait, on va peur, dire blocage. quels sont nos empêchements finalement, parce que parfois on va dire, ah ben non, mais moi j'ai pas peur, mais je me sens bloqué. Ok, bon, c'est pas le même mot, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut le traiter d'une manière assez similaire en fait. Donc, comment s'en libérer déjà, c'est les identifier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, essayer de trouver des moments dans lesquels ces peurs ou ces blocages n'existent pas. Dans quel moment ça existe et dans quel moment ça n'existe pas. Parce que si on trouve un moment où ça n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose que l'on peut modifier et que dans certains contextes, ça peut ne pas exister. Dans ce cas, ça nous aide à mieux comprendre comment ça apparaît, comment ça disparaît. Et petit à petit, de prendre confiance, en fait, et de prendre conscience, de se dire, ah oui, je sais pas, un jour j'ai eu peur d'une araignée. Je suis complètement bloquée pour faire le ménage dans les coins parce que j'ai peur de voir une araignée ou j'ai peur qu'une souris me saute au visage, ou voilà, on pourrait dire. Je suis bloquée, donc je peux plus faire le ménage parce que il y a la crainte de la souris. Enfin, c'est qu'à le dire d'ailleurs, je vois ta souris qui est sur mon visage. Je ne sais pas si on la voit en vidéo pour les autres ou pas, mais je vois ta souris qui bouge. Là, je l'ai dans l'œil, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça se voit aussi sur l'émission en direct, vous me direz ça. Et donc, c'était rigolo quand je dis la souris qui saute au visage. Je m'aperçois que je vois ta souris d'ordinateur. Donc, et par rapport à tous ces blocages, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'un jour ça m'est arrivé de ne pas avoir peur? Oui, quand je vois une souris dans une cage, c'est plus facile. Quand je vois une araignée sur une image, ou... Donc c'est un peu de commencer à comprendre comment se déclenche la peur, comment elle fonctionne, ou pourquoi pas quelle est la première fois qu'on a eu peur, pour nous permettre de nous en libérer. Alors là, j'ai été sur les peurs, mais... On peut mettre le mot blocage, c'est vrai, c'était plus la demande qui était faite. Donc, comment s'en libérer? C'est, j'ai pas de formule secrète puisque ça dépend aussi de tous les blocages, mais je dirais que vraiment, c'est la même réponse encore, c'est être conscient de son potentiel, être conscient de qui on est, s'aligner avec soi-même, se faire confiance. Pourquoi? Parce que la vie, ça passe en un clin d'œil. Même si on en a plusieurs, c'est cool, mais on s'est quand même pas fatigué à s'incarner dans une vie actuel, de mettre tout ce truc en place, de choisir, de consulter avec nos guides, avec les autres âmes pour s'incarner, tout ça pour se dire, ben, c'est pas grave, je m'en occuperai dans la vie prochaine. C'est quand même dommage. Donc, c'est de se dire à un moment donné, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui répond à mon besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? À quoi je peux répondre? Et de pas viser l'Everest. Alors, ça, s'il vous plaît, laissez tomber le sommet de l'Everest. De dire je vais aller directement au top de mes besoins, au top de mon envie. Surtout pas. Vous commencez par un petit pas. Et une fois que vous aurez accompli ce petit pas, c'est-à-dire un jour regarder une photo d'araignée pendant une seconde, par exemple, et puis c'est tout. Et quand vous aurez réussi à la regarder une seconde avec moins d'appréhension, bah, c'est une grosse victoire. Et ensuite, peut-être 2 secondes, et ensuite, peut-être 1 minute, etc. Et vous voyez, c'est pas de se dire ah ben maintenant j'ai plus peur des araignées. Non, c'est vraiment de vous donner l'occasion de réussir. Parce que souvent, on a plutôt tendance à viser l'Everest et se dire si j'arrive pas au sommet d'un coup, ça veut dire que je suis nulle. Mais je suis pas d'accord. C'est vraiment d'y aller de manière progressive. Voilà ma réponse. Très bien. Alors, je vais faire le tri parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent et donc il y a aussi un petit lot de questions personnelles. Donc là, le temps que tu répondes à la prochaine question, donc je vais de mon côté faire un petit peu le tri. Tac. Bonsoir. Donc c'est une question de Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Est-ce qu'un parent ou grand-parent possédant des capacités ou dons peut transmettre à un de ses enfants ses dons à son décès? Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient dire que oui. Maintenant, pour moi, il me semble que c'est plus simple parfois et plus complexe que ça. Par exemple, le don de charmer le feu, c'est quelque chose qui se transmet, ou soigner les verrues, par exemple. Ce sont des choses qui se transmettent tout simplement parce qu'il y a une prière associée, il y a des rituels à faire, on va dire, et quelqu'un peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses qui, de fait, effectivement, se transmettent. Et il y en a d'autres,
qui ne se transmettent pas si on n'a pas l'ouverture nécessaire et les capacités nécessaires de le faire. Mais il se peut que lorsqu'on perd un être cher qui avait des dons, eh bien, ça réveille en nous quelque chose, ça fasse un impact de dire waouh, je l'ai perdu. Et du coup, il y a quelque chose en nous qui se déclenche et qui donne envie de recueillir quelque chose que ce parent possédait. Et on va ouvrir on va faire une ouverture en soi pour recevoir une capacité similaire. Maintenant, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est généalogique? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est plutôt en rapport avec le chemin d'âme. Mais comme on s'incarne dans une famille et avec des âmes qu'on a bien souvent déjà connues, donc on pourrait dire effectivement que tout ça est imbriqué, si vous voulez. C'est difficile de vous donner une seule réponse, de dire oui, ça se transmet généalogiquement, génétiquement ou autre. Non, c'est plus complexe que ça. On s'incarne en choisissant les âmes avec lesquelles on va côtoyer la vie, et puis avec un chemin de vie et des événements de vie qui vont faire que on va déclencher quelque chose ou pas. C'est comme le livre dont vous êtes le héros. Si je vais à la page 25, je ne vais pas vivre la même chose que si je vais à la page 36. Et bien dans la vie, c'est pareil. On a une part de libre arbitre. Et dans le livre dont vous êtes le héros, il y a quand même une part où l'auteur il va quand même vous guider dans un endroit parce qu'à un moment donné, il faut bien avancer vers la fin du livre. Donc là, et vers les objectifs que l'auteur a produits. Donc il y a deux choses, il y a une part de libre arbitre et une part de va dans cette direction quand même. Donc dans l'incarnation, c'est la même chose pour moi. Très bien. Alors, une question de Céline. Bonsoir Céline. Alors c'est une question qui peut rejoindre une des questions précédentes. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un défunt peut décider de ne pas communiquer avec vous si durant son vivant, je n'étais plus en contact avec suite à une dispute? Et comment lui parler pour rentrer en contact avec lui? Alors, c'est quand on est défunt, on n'a plus les mêmes... Enfin, quand on est dans l'entre-deux-mondes, les défunts sont très ressemblants à la personne qu'ils étaient lors de leur incarnation, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir encore de l'inquiétude, il y a des défunts qui peuvent être en colère, il y a des défunts qui peuvent être joyeux, enfin bon, bref, comment dire, à peu près le même caractère. Mais c'est pas parce qu'on s'est disputé dans la vie actuelle que le défunt il va bouder, vous voyez, parce qu'il y a une autre perception, c'est-à-dire qu'il commence à voir les choses d'une manière beaucoup plus globale. Mais si pour son chemin d'âme, pour son bilan de vie, c'est important pour lui de ne pas vous parler, il le fera pas et il faut accepter ça. Quand on fait une communication avec un défunt, moi ce que je dis toujours quand j'en fais, c'est la personne la plus importante pour moi, c'est le défunt, c'est pas vous. Donc, c'est pas forcément super sympa. Mais quand on vient en communication au chemin de vie ou quand on vient en consultation, je veux dire, ou même en thérapie avec moi, la personne la plus importante, c'est vous. Mais avec les défunts, la personne la plus importante, c'est le défunt. C'est-à-dire que pour moi, il fait déjà un effort incroyable de venir dépenser cette énergie-là pour pouvoir entrer en communication avec nous, que c'est lui que je vais privilégier. Donc, si vous avez besoin de quelque chose et que le défunt, lui, il ne veut pas répondre à ce besoin, eh bien, c'est tout à fait son opportunité, son droit. Et au même titre que quand on était en vie, eh bien, on a le droit de ne pas parler à quelqu'un. Et là, on peut faire la même chose. Maintenant, si de votre part, c'est un acte, comment dire, généreux, c'est pas pour... c'est pour améliorer la relation ou les deux âmes, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, vous pouvez lui envoyer des prières, vous pouvez lui écrire une lettre, par exemple, parce que énergétiquement, les choses sont transmises et quand il se sentira prêt, il pourra venir vous parler. Mais il faut, comment dire, c'est pas parce qu'on est défunt qu'on est à la demande. Vous voyez, c'est ça. Il faut bien en avoir conscience et parfois, quand on vient consulter pour un défunt, on veut consulter une personne untel, et puis c'est quelqu'un d'autre qui va apparaître. Vous voyez, c'est important de laisser le champ libre. Voilà. Donc, maintenant, effectivement, ça peut arriver, et il y a un cas qui me revient à l'esprit. Bonjour, bonjour, bonjour Charles. Et il y a un cas, effectivement, qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une... Justement, peut-être, ça peut répondre à cette question. On a fait une consultation lecture message des défunts en salle à Paris. C'était organisé par Nenubia, donc par Paul D, donc avec Perle.
Et à un moment donné, il y a une personne qui voulait poser une question à un de ses défunts. Donc, le défunt s'est présenté puisqu'on a choisi la photo. Enfin, quand je dis choisi, c'est que la photo, elle nous attire et qu'on va la prendre. Maintenant, on les voit pas, elles sont face cachée. Donc, on ne peut pas décider de choisir telle ou telle photo. C'est le défunt qui nous appelle, en fait. Et quand on a fait ça, eh bien, à ce moment-là, la personne, elle voulait vraiment avoir une question et le défunt, il voulait pas lui répondre. C'était un défunt qui était encore dans quelque chose qui faisait souffrir la personne. Alors à ce moment-là, moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire de se faire souffrir quand on est vivant. À un moment donné, il faut aussi pouvoir passer à autre chose. Et cette personne a demandé pourquoi a-t-il fait ça? Mais je ne sais pas de quoi elle parlait. Hein. Pourquoi a-t-il fait ça? Et lui, il m'a dit de répondre. Et vraiment, dans son attitude, c'était presque, il prenait du plaisir à cette réponse. C'était vraiment spécial parce que c'était rude hein, pour la personne qui était sur place. Mais je lui ai dit avant tout, si vous posez la question, je devrais vous donner la réponse. Elle a dit OK, pas de problème. Et je lui ai dit ben, parce que ça lui a fait plaisir de vous faire du mal. Voilà, donc super réponse, c'est assez choquant. Ça peut même choquer plein de monde d'avoir un défunt qui donne cette réponse, mais c'est un défunt qui était encore très proche du monde des vivants et il n'était pas du tout apaisé, il n'avait pas fait son bilan de vie. Ok, donc à un moment donné, si En tout cas, il n'y a vous pas pouvez pas. d'hypocrisie. En tout cas, il n'y a pas d'hypocrisie. Oui, Ah bah c'est en tout caché. cas, non. Non, et puis de notre côté, que ce soit Perle ou moi, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire que nous, voilà, moi, tout ce qu'on me dit, je le répète, je n'ai pas de filtre parce que ça ne sert à rien. Si les guides disent quelque chose, c'est que c'est important que vous l'entendiez. Après, je n'ai pas une manière toujours diplomatique de le dire, mais quoi qu'il en soit, quand c'est des phrases nettes comme ça, ben, je les répète tout simplement. Et parfois, ce n'est pas facile à entendre. Mais il faut, si on pose une question, il faut être prêt à entendre la réponse. Sinon, je vous en prie, ne posez pas la question. Alors, j'ai une Voilà question. Céline, j'espère que ça répondra. Alors, j'ai une question donc de Marie. Alors, n'hésitez pas, le chat live est aussi fait pour poser des questions. Donc, il y en a quelques-unes qui sont posées. Je vais y venir. Une question donc par mail donc de Marie. Alors, après la question par mail, j'aurai un petit truc qui va me prendre 2 minutes. Je vais devoir me lever. Donc, Sorine, donc je te laisserai répondre. Hein. Donc, je laisserai tout à fait répondre. Ça Ok. marche. Alors, le message de Marie. Donc, bonsoir Sorine et Nico. Comment interpréter les divers ressentis et signes à travers son corps pendant la méditation? Par exemple, dans mon cas, je perçois l'énergie circuler dans tout mon cas, dans tout mon corps. Cela se traduit par des picotements au niveau des jambes et ça remonte dans tout le corps et même dans les mains. Tantôt, je sens de la chaleur qui refait le même trajet. Tantôt, j'ai l'impression de ne plus sentir mes jambes et d'être en élévation. Est-ce le signe d'un début de développement de mes capacités psychiques et spirituelles? Je vous remercie. Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément trouver un sens au ressenti physique? Moi, ce que je vous inviterais à faire pour en savoir plus, c'est de vous laisser, je pense que vous le faites déjà, mais c'est de continuer à le faire, c'est de vous laisser vibrer, de vous laisser vivre, de laisser ces sensations vous parcourir sans les comprendre. Parce que le mental, qui nous apporte toute cette compréhension, il est très très utile, mais il n'est pas seul au monde. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le corps et je suis vraiment ravie que vous nous décriviez ce qui se passe de manière physique. Ça veut dire que vous avez une bonne connexion avec votre corps. Et c'est drôle, Nico tout à l'heure disait votre cœur. Donc ça faisait un genre de corps, de cœur, de... Bon, c'était assez joli. Et ça permet effectivement d'apporter une circulation. Et plus vous allez être en circulation de ce côté-là, plus ça va être fluide, plus vous allez sentir en fait ce qui est juste pour vous. Et si ce qui est juste pour vous, c'est que vos capacités se développent, alors effectivement, elles vont se développer. En ce qui me concerne, je pense que les capacités spirituelles, tout le monde en a, mais jusqu'à un certain niveau. Je ne voudrais pas vous faire croire que tout le monde peut devenir médium, que tout le monde peut communiquer avec tous les défunts, que tout le monde peut communiquer avec les guides, que les guides de tout le monde, je vais dire, hein. Maintenant, on a tous une capacité à communiquer avec nos défunts, par exemple, avec nos guides, avec les choses qui sont reliées à nous-mêmes, on peut développer ça. Mais de là à pouvoir le faire pour les autres, ça, c'est quelque chose de différent. Mais on a tous la possibilité
de développer des capacités spirituelles à un certain niveau. Ça ne veut pas dire qu'un niveau est mieux qu'un autre, ça veut juste dire que soit on peut le faire pour soi-même et pour ce qui nous concerne, ou soit on peut le faire aussi pour tout le monde, quoi, d'avoir une connexion plus permanente en fonction des autres. Donc c'est vraiment cette partie-là dont il faut être consciente, et puis aussi d'accueillir ce qui se passe. Donc si ce qui se passe à un moment donné, c'est que vous avez des picotements, souvent les picotements, sauf si c'est des fourmis évidemment, mais souvent les petits picotements, ça peut être aussi votre système neurovégétatif qui se remet en route, la circulation qui se réactive. Donc ça veut dire que votre connexion, elle permet à votre corps vos vibrations, elles permettent à votre corps de se remettre dans un bon fonctionnement. Donc c'est vague de pouvoir répondre précisément. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous pouvez tout à fait essayer juste de ressentir et puis de laisser ce mouvement vous parcourir, et petit à petit vous aurez des réponses. Mais pas parce que vous les aurez compris, mais vous aurez des réponses parce qu'elles deviendront des évidences. Est-ce que moi je comprends comment je marche? Je vous avoue, j'en sais rien. Est-ce que je comprends la manière dont ça fonctionne de marcher? Pas du tout. Pourtant, je marche. Mais je comprends rien. Est-ce que c'est grave en fait? Non, ça devient inévident. Je me lève, je bouge, je marche. Mais est-ce que j'ai compris que c'est des petites cellules de mon cerveau qui s'activent et qui vont envoyer à des nerfs? Alors, vous voyez, en même temps, je suis incapable de vous expliquer le truc parce que très sincèrement, je ne comprends pas. Puis je m'en fous en fait. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai besoin de marcher, je marche et puis c'est tout. Donc si demain, vous, votre capacité spirituelle, eh bien, vous en avez besoin et qu'elle se développe et que vous avez besoin d'aller dedans et qu'elle est là, c'est génial. Si votre corps il se met à vibrer, c'est super. Pourquoi est-ce qu'il faudrait comprendre le pourquoi du comment de tout? C'est utile de comprendre, mais ce n'est pas suffisant. Donc, vivez l'espace physique, ôtez les questions et vous verrez que vous aurez des réponses parce que vous les aurez par du savoir, une évidence qui va venir. Et ça, c'est hyper important. Alors, on va revenir au chat live et aborder une question du chat live et ensuite... Et ensuite, on viendra progressivement aux questions perso. Parce que... Excusez-moi, je baille, hein, Max, mais je me détends. J'ai couru toute la journée. Et du coup, quand je me détends, je suis une grande bailleuse. Hein. Je baille hyper, hyper souvent. Mais quand je suis en mode détente, et puis c'est trop sympa d'être comme ça avec vous, de sentir votre présence, vos questions. Du coup, ça me détend complètement. Et du coup, j'arrête pas de bailler. Mais c'est ni fatigue, ni ennui. C'est juste où je me détends. En tout cas, n'hésitez pas pour les questions sur le chat live donc de YouTube, pour la diffusion en direct, parce qu'on va venir progressivement, donc Sourine, sur les questions un peu plus personnelles. Ah, ok. Donc le temps de dire, donc, c'est la question de Hermès. J'ai travaillé en... Je te laisse boire. Pardon. Alors, bonjour Hermès. Bonjour Hermès. Donc, j'ai travaillé en association avec enfants malades et parfois des petits de 4-5 ans qui souffrent de cancer et parfois qui malheureusement décèdent. Je me suis posé la question, en quoi ce chemin l'aide à évoluer? Mais bien sûr, mais ça c'est des questions extra et il y a même les questions du type si une femme perd son enfant avant sa naissance, en quoi ça aide, parce que là on vit rien du tout quelque part. Tout ça c'est hyper important. Et il y a des réponses, je vais en donner certaines, mais après, c'est toujours ma réponse habituelle, ça dépend du chemin d'âme de chacun. Il y a souvent une nécessité à vivre quelque chose, et puis parfois aussi, en fonction, il se peut qu'on n'arrive pas à réaliser ce que notre chemin d'âme était, et puis qu'on prenne un autre chemin. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on a choisi. Alors, sur un enfant, c'est sûr que là, il y a du chemin d'âme, d'accord? Mais c'est encore plus complexe que ça, parce qu'il y a les interactions avec le parent, les accords d'âme qui ont été faits. Est-ce que ça va aider l'âme de l'enfant? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va aider l'âme des parents? Est-ce que ça va aider l'âme du monde? Parce que voir un enfant souffrir, voir un enfant vous montrer, mais en même temps son courage et sa force, ça, c'est un apprentissage aussi énorme pour les autres. Parfois, ça peut être un chemin de vie pour apprendre quelque chose aux autres,
montrer quelque chose aux autres et dans ce cas faire évoluer son âme d'une autre manière. Quand on dit évolution, c'est comme s'il fallait gravir des échelons jusqu'à l'échelon 2727 ou que sais-je. Eh bien moi je le vois pas comme ça. Quand on dit faire évoluer son âme, eh bien c'est vivre une expérience nouvelle, une expérience différente. Et c'est pas une expérience qui est bien ou mal, c'est une expérience. Alors nous en tant que terrestres incarnés, on a la notion du bien et du mal, mais en tant qu'âme on l'a pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'incarner pour faire du mal, on va s'incarner pour vivre une expérience. On ne va pas s'incarner pour souffrir, on va s'incarner pour vivre une expérience. Et puis parfois, il y a des personnes qui s'incarnent, par exemple, pour réussir à être heureux. Et c'est des personnes dans leur vie, lors de leur incarnation, qui vont beaucoup souffrir. Mais parce qu'ils connaissent la souffrance dans des vies passées, ils vont devoir pouvoir sortir de cette souffrance pour s'en libérer. Ou alors des personnes qui ont besoin vraiment d'être prises en compte, prises en charge, soignées, on s'occupe d'eux, ou qui ont besoin de transmettre un message. Donc ça peut développer aussi des maladies. Mais tout n'est pas non plus figé dans le marbre. Il y a aussi les décisions qui sont là et qui permettent de vivre ces moments-là. Et effectivement, parfois, l'âme a besoin de vivre ces expériences, parce que moi j'appelle ça des expériences, même si je peux dire que c'est affreux, que c'est douloureux et que je ne le souhaite à personne, en tant qu'être incarné, je suis tout à fait d'accord pour dire ça, mais en tant qu'âme, je ne saurais pas vous dire, parce que si ce choix est fait, c'est qu'il y a effectivement une bonne histoire, un moyen, quelque chose de nécessaire, un apprentissage à faire, ou des personnes qui meurent par exemple dans un attentat ou des personnes qui... Parce que je me suis connectée aussi par rapport à ça pour pouvoir avoir des réponses. Eh bien, est-ce que c'était un hasard? Est-ce qu'ils ont pris une mauvaise route et qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment et que ce n'était pas le chemin de leur âme? Certains, c'était le cas. Et puis, est-ce que pour d'autres, ce que j'ai vu qui était assez étonnant, c'est que c'était aussi pour nous permettre de faire un éveil. Et là, vous allez trouver ça absolument affreux ce que je raconte, mais c'est aussi pour nous permettre de nous réveiller et de nous dire, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles, vous voyez. Il y a cette notion d'éveil, de dire dans quel monde on vit, est-ce qu'on veut continuer à vivre dans ce monde-là ou est-ce qu'on fait changer le monde? Donc, pour ça, il faut avoir des chocs. Et parfois, ce choc-là, il est fait. Et sauf qu'on le prend pas à la hauteur du message qui nous est envoyé et qu'on n'a pas forcément la possibilité de comprendre le message en tant que tel. Et du coup, ben, l'histoire se répète et puis on a besoin de vivre d'autres chocs. Mais pour vivre ces chocs-là, il faut bien qu'il y ait des âmes qui viennent pour nous montrer en fait les choses. Donc à un moment donné, si dans la société dans laquelle on vit, elle provoque des maladies et qu'il y a de plus en plus de cancers et qu'il y a de plus en plus de maladies qui sont aussi provoquées par la manière dont on vit. À un moment donné, il faut que ces morts-là puissent nous choquer, puissent nous faire comprendre qu'on n'est peut-être pas dans la bonne direction. Et si ces âmes-là, elles ont besoin de s'incarner pour participer à la prise de conscience, eh ben ça, c'est important. Parce que là, on a le cancer, mais il y a d'autres époques où il y avait des épidémies de tuberculose, de Peste. peste, de voilà, où il n'y avait pas que des enfants qui mouraient, mais ils étaient impactés aussi, comme le cancer, c'est pas que les enfants, c'est un peu tout le monde. Et ça nous montre un peu qu'il faut réfléchir à quelque chose de nouveau. Donc, on a réussi à batailler sur certaines maladies pour qu'elles apparaissent moins, voire plus du tout. Maintenant, peut-être qu'il faut réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Et ça, si des personnes n'incarnent pas ça, on risque pas de le voir. C'est vrai que Donc, humainement, c'est difficile, mais du point de vue de l'âme, c'est autre chose. tout à l'heure tu disais le mot expérience, et c'est vrai qu'on a une notion, la plupart ont en plus une notion du mot expérience dans le sens positif, tu vois. Alors que, Ah oui. tu vois, c'est pour ça que ça peut choquer certaines personnes, ouais, mais expérience, expérience, n'empêche que, Ah, oui, c'est mais. drôle, mais moi j'avais pas. Pour moi, expérience, c'est vraiment pas. Tu fais très bien de le dire parce que Enfin, je parle de j'utilise souvent ce mot. certains. Oui, mais j'utilise souvent ce mot et effectivement, c'est pas juste parce que on peut tout à fait avoir une notion de bien et mal à travers le terme expérience, enfin ou de bien. Mais c'est vrai pour moi, une expérience, je sais pas, on fait une expérience en chimie, ça peut nous exploser au visage, hein. C'est pas dit qu'on va réussir à faire la super potion magique, quoi. Les expériences, c'est ça, on expérimente, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai.
Mais tu fais bien de le préciser. Non, une expérience, je ne sais pas si un jour. Des fois, moi, je prends l'électricité, tu sais, l'électricité statique, je le prends souvent. Quand je dis bonjour à quelqu'un, par exemple, je peux prendre un coup de jus sur mes lèvres. Quand je dis bonjour, ça fait super mal. Et donc, quand je sais, il y a des moments qui sont favorables à ça, quand il fait froid, selon les vêtements que j'ai. Donc, j'ai compris, j'ai commencé à apprendre à. Je me fais avoir encore, mais du coup, ce que je fais, c'est que je touche d'abord la peau de la personne et ensuite, sans lâcher la peau, je lui dis bonjour. Et là, en général, je prends pas le jus. Mais il a bien fallu que je le prenne plusieurs fois avant Pour de apprendre. capter ça. Voilà. Et c'est pas agréable, je vous assure que ça fait mal. Vous avez déjà peut-être eu cette sensation. Et encore quand on le prend sur la joue, ça fait mal. Mais quand c'est sur les lèvres, c'est très sensible, ça fait vraiment mal. Donc, c'est une expérience. C'est parce que j'ai eu cette expérience que j'en sais plus. On aurait très bien pu m'expliquer, fais gaffe quand il fait froid, quand tu es habillé comme ci, comme ça, tu peux prendre le jus. Oui, tu peux, mais peut-être que ça va pas m'arriver, j'en sais rien. Tiens, alors il y a Donc, Fabienne que on tu... apprend. Oui, pardon. Oui, Oui, Fabienne. ok. Que tu dois connaître. Oui. Donc, parce que tu vois, sur, donc c'est un message, donc ce qu'on appelle un message personnel. D'accord. Sorine, j'ai eu ma première image avec une amie lors d'une discussion, mais depuis, plus rien. Pourquoi? Ah, alors là, c'est les guides qui répondent. Donc là, on commence aux questions personnelles, effectivement, tu as raison. Voilà. Alors Eh déjà, bien, oui. est-ce que ce serait bien de situer le contexte, voilà, du message pour que les autres comprennent? Voilà. Mais moi, je n'ai pas le contexte du message. D'accord. Je ne sais pas forcément de quoi elle veut parler. D'accord, ok, donc on reste comme ça. Donc, je n'ai pas le contexte, mais ce n'est pas hyper important. Ou D'accord. peut-être que je le sais, mais que ça ne me revient pas en mémoire là maintenant, parce qu'en plus des Fabiennes, j'hésite entre deux. Donc, du coup, je sais pas, j'hésite entre deux. Je pense à une. Une, alors le mot de passe, ça serait hibiscus, si c'est bien celle-ci. Donc, peut-être si c'est celle-ci, elle pourra nous le dire, si c'est bien elle. Maintenant, ça peut être une autre. Donc, du coup, j'hésite quand même entre les deux. Bon, quoi qu'il en soit, mais je pense plus que c'est celle que je viens d'indiquer. Quoi qu'il en soit, le message que j'ai eu, j'ai pas vraiment de réponse précise à donner ou même générale. Mais enfin, si j'ai une réponse précise, mais c'est une réponse des guides, donc c'est une réponse qui la concerne. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse qui concerne tout le monde. Donc ça, c'est important. Ça veut, si quelqu'un voit une image puis après n'en voit plus, n'allez pas appliquer cette réponse à vous-même, hein, voilà. Donc la réponse pour Fabienne, c'est parce que tu veux voir avec tes yeux. Voilà. Parce que quand on voit d'une manière spirituelle, quand on entend d'une manière spirituelle, quand on ressent, évidemment que ça ressemble au fait de voir, puisqu'on va voir des images, mais c'est pas avec les yeux. C'est avec les yeux spirituels, si vous voulez. C'est comme une forme pensée, une image qui arrive, ou un son, mais qui vient de l'intérieur, et pas dans les, comment ça s'appelle, les tympans. Donc, là, les guides ont dit, c'est parce que tu veux voir avec tes yeux. De toute façon, en fait, si vous voulez, si vous mettez le mot vouloir, ça va pas marcher. Moi, au départ, quand j'ai commencé à exercer mon activité, je me suis dit, mais ça va pas être possible si les gens viennent, qu'ils se déplacent et que ça marche pas. Donc, c'est pas possible. Je peux pas supporter ça, en fait, de faire déplacer des gens pour que ça fonctionne pas. Du coup, je me mettais la pression. Du coup, ça fonctionnait pas. Parce que je voulais que ça fonctionne. Donc, au bout d'un moment, pour me libérer de ça, toutes les personnes qui sont venues, je leur ai dit, il n'y a pas de garantie. Vous allez peut-être venir pour rien. Et c'est pas grave. Bah, vous payez pas la consultation, mais vous aurez perdu du temps pour rien. Et c'est pas grave. Voilà. Ou si ça vous va pas, vous allez chez quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'a libérée. J'avais plus d'obligation. J'avais plus de vouloir. Et du coup, comme il n'y avait plus le vouloir, ben, je pouvais accueillir ce qui vient. Alors, Sorine, je crois qu'on va rentrer maintenant de plein pied à 100% sur la question perso. Allez. Voilà. Mais D'accord. avant tout, petit suspense, tout à l'heure, on a évoqué un petit peu les faits d'actualité, de société. Là, il y a une question qui est arrivée. Là, voilà, tu apporteras la réponse que tu veux, selon ton ressenti. Ouais. Donc, c'est une question de Anne-Catherine. Que pensent les guides? En plus, donc, ça interroge les guides. Que pensent les guides D'accord. donc de la puce RFID qui devrait être implantée dans chaque humain d'ici peu? Merci.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues avant même que la question soit terminée. Donc, j'ai eu l'idée du non-sens, comme s'il n'y avait pas de sens à cette question, en fait. Et parce que pensent les guides? Les guides. Allô? Oui, je Ah, suis là. j'ai cru que ça avait coupé, parce que Je mon suis là. image a complètement figé. Donc non, c'est bon. En fait, que pensent les guides? Les guides, ils pensent. Quelque part, la question, c'est que pense Dieu finalement. C'est pas que pensent les guides. Bon, même je ne sais pas vous dire si je crois en Dieu, mais les guides, ils sont attribués à une personne en particulier. Donc pour une personne, ils vont pouvoir dire quelque chose. Pour une autre personne, mes guides, c'est les miens, c'est pas les vôtres. Et vos guides, c'est pas les miens. Et quand j'entre en communication avec quelqu'un, j'entre en communication avec les guides de la personne. Tout à l'heure, par rapport à Fabienne, c'est ses guides à elle qui m'ont répondu. C'est pas, comment dire, des guides qui répondraient pour tout le monde. Dans ce cas, ça serait ce que certains appellent des anges ou des maîtres Notre ascensionnés. Ou... ascensionné, oui. Vous voyez, il y a quelque part des êtres spirituels qui s'occupent finalement du groupe humain. Et pas forcément d'une personne en particulier. Moi, les guides, ils s'occupent d'une personne. Donc, déjà, je sais que c'est de la sémantique et c'est peut-être du détail parce que pensent les guides sur, j'arriverai pas à répondre à cette question. Donc, je veux pas non plus être, comment dire, tatillonne, même si je le suis, en disant, ah ben non, je peux pas répondre à la question parce que la question, c'est pas les guides. Je comprends le sens de la question. Déjà, j'ai vraiment la première chose, j'ai senti une sensation d'interrogative, de bug en fait. Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça va pas exister? Et il y a comme ça va pas exister pour tout le monde. Ça va exister, mais ça va pas forcément. Non, pas pour tout le monde, mais partout dans le monde. Ça va pas exister partout. Ok. Et ensuite, pour moi, mais là, on est sur des questions quelque part voyantes sur le monde, Ah hein. ouais. Et ça va se, comment dire, se. C'est très dur de répondre à cette question, excusez-moi, parce que les guides, ils me parlent en même temps. Et c'est-à-dire que c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est pas important. C'est pas une question importante. Humainement, elle est ultra, hyper, hyper importante. Et moi, à titre perso, ben, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc, quoi? Cette question-là, c'est vraiment vivement qu'on n'y soit pas, quoi. Donc, humainement, je vois. Mais pour les guides, est-ce que c'est important? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que chaque âme puisse vivre son expérience, l'expérience de vie pour laquelle elle s'est incarnée. Et si l'expérience de vie pour laquelle on s'incarne, c'est de faire en sorte que ça n'existe pas, eh ben, faisons-le. D'accord? Maintenant, si mon expérience de vie, c'est mon épanouissement dans ma vie personnelle, par exemple, eh ben, les puces RFID, je vais pas m'en occuper. Et ça a l'air un peu égoïste, hein, ma manière de parler. Mais on est là pour vivre une expérience. On n'est pas là pour guérir le monde. On n'est pas des dieux sur terre. Et si vous êtes un petit peu, si vous arrivez à prendre ce recul, vous verrez que tout le monde, à un moment donné, se prend pour dieu sur terre. Alors on va dire, ah ben non, pas du tout, moi j'aide les autres, donc je ne suis pas du tout dans l'ego. Mais vous êtes qui pour aider les autres? Comme moi, je suis qui pour aider les autres? Personne. C'est-à-dire si mon chemin de vie, c'est d'accompagner, de guider, ok, alors c'est bon, je suis dans le bon chemin. Si ce n'est pas ça mon chemin de vie, eh bien, il ne faut pas se prendre pour Dieu sur Terre. Et peut-être que je vais vous choquer en disant ça, et ce n'est pas, comment dire, méchant vis-à-vis de qui que ce soit hein, de dire ça. C'est simplement que j'aimerais que vous fassiez une prise de conscience qu'à un moment donné, il faut aussi fixer son attention sur quel est mon chemin de vie. Et si mon chemin de vie, c'est de faire la révolution par rapport à tout ça, bah faites-le à fond. Mais si c'est pas ça mon chemin de vie, déjà, chacun s'occupe de son chemin de vie. Je vous assure que le monde ira vraiment mieux. Mais on se perd, et moi y compris, hein, c'est pas parce que je vous dis ça que j'arrive à le faire plus facilement que vous. J'ai la conscience, mais maintenant, passer à l'action, c'est toujours quelque chose d'autre. Donc, parfois, on a tendance à se mettre en deuxième point et on se dit, ah oh oui, mais moi, je m'en occuperai plus tard. Non, il faut s'en occuper maintenant. Donc, on a un peu digressé par rapport à cette question, Bah, disons mais que j'ai quand même voilà. répondu. Oui? Voilà. Non, mais je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il y a aussi cette crainte. Donc, tu disais, le plus important, c'est de vivre. Donc, c'est vivre son expérience de vie. Et il y a cette crainte, justement, que je peux deviner derrière cette question, de justement, mais avec cette puce, avec cette puce RFID, est-ce qu'on peut être maître de son expérience? Mais en fait, si vous voulez, on l'a déjà cette puce RFID quelque part, sauf qu'elle n'est pas implantée dans notre peau.
Elle peut, y a même des études qui sont faites, ou même c'était il y a une dizaine d'années quand j'avais repris des études d'informatique, j'ai mon prof d'informatique qui nous disait qu'il travaillait sur de mettre des puces. Alors les puces RFID, c'est des puces radiofréquences Oui, ondes oui. courtes sur lesquelles on peut effectivement stocker des informations et les capter à distance plus ou moins grande. Mais ça existe déjà, on a nos téléphones portables. Déjà, c'est foutu, hein, je vous le dis tout de suite. On a nos ordinateurs, Exactement, on exactement. les a déjà en fait. Donc effectivement, à moins d'aller dans un endroit où on n'a pas sa puce, on n'a pas son téléphone, on part les mains dans les poches et à poil, je vois pas trop comment on peut faire déjà de nos jours, d'accord? Et on vit quand même dans cette société et elle nous apporte des choses positives et aussi des choses négatives. On est d'accord avec ça. Maintenant, c'est j'ai la connaissance de ça, qu'est-ce que je vais en faire? Là où ça serait plus grave, et peut-être que ça existe déjà et qu'on ne le sait pas, c'est si on nous l'implante quelque part sans autorisation. Il y a des choses qui ont été faites où ils ont demandé un volontariat, en fait, que des personnes soient volontaires pour pouvoir avoir une puce radiofréquence. Et il y en a qui se sont portés volontaires parce qu'ils trouvaient ça sympa, parce que ils disaient que si leurs enfants étaient perdus, et ben ils pourraient les retrouver. On en met déjà. Il y a des capteurs GPS qu'on peut mettre sur les animaux, par exemple. Enfin, ça existe déjà en fait tout ça. Oh Donc ça existe de manière assez différente. Mais est-ce que ça m'empêche de vivre? Moi, je me dis, si je vis mon chemin de vie, si j'assume ma vie, si après tout, évidemment, comme chaque personne, on a tous des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir sur la place publique. Maintenant, si demain c'est sur la place publique, ben, j'assume en fait, c'est juste moi, où est le problème? Et ça, c'est plus là qu'on devrait aller. C'est est-ce que j'assume ma vie telle qu'elle est? Est-ce que je suis satisfait de là où j'en suis? Est-ce que voilà, et le reste en fait, c'est moins important. Et si ça devient moins important, ben on aura moins besoin d'avoir ce genre de choses en fait, ça sera pas une nécessité de société. Maintenant, si on s'incarne, parce qu'on pourrait faire une émission sur la réincarnation, mais si on s'incarne à cette époque dans laquelle on vit, c'est qu'on a quelque chose à vivre dans cette époque. Sinon, on s'incarnerait à une autre époque parce qu'on peut s'incarner d'une manière pas chronologique. Donc on s'incarnerait à une autre époque. Mais ce n'est pas le cas. On est là dans cette vie, dans ce moment précis. Donc on a quelque chose à vivre en relation avec l'actualité. Bon, mais on va aller maintenant, cette fois pour le bon, sur les questions perso. Ça fait 10 minutes que je le dis maintenant. Mais Voilà, bon, c'est tout. dites-moi, hein, si jamais vous avez aussi besoin de précision dans ce que j'ai Oui, dit, parce oui. que là, c'est vrai que c'est un dialogue, vos questions, je fais une réponse, mais vous pouvez faire une réponse à ma réponse, bien sûr, hein. Voilà, parce que je vois que le chat live est un petit peu calme là. Mais enfin, bon, du coup, il y a des questions qui sont arrivées par mail, donc je vais bien sûr les lire. Alors, on commence par Vanessa. Bonsoir, Bonjour Sorine. Vanessa. J'aimerais connaître mon avenir professionnel, pouvez-vous m'orienter? Oh là, c'est beaucoup trop vague, non? On ne fait pas de la voyance en direct comme ça. Voilà, Non, ok. je réponds pas à la question. C'est pas une émission de voyance en direct. J'ai pas envie qu'on bascule là-dedans. Ça existe, je l'ai déjà fait, c'est faisable, mais je trouve que ça serait dévoyer un peu le sujet de l'émission. Par contre, je voudrais quand même répondre à sa question. C'est que il y a comme une réorientation professionnelle en cours et qu'il faut confirmer. Et puis surtout que pour moi, c'est comme s'il y avait des dossiers à remplir. Alors, est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un changement de statut? Est-ce que j'en sais rien? Parce que là, je ne veux pas trop Oui, rentrer ça. non plus dans le détail. Et puis voilà, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est entrer dans l'intimité des personnes d'une manière trop directe. J'aime pas. Voilà, maintenant, je veux pas non plus laisser sans réponse. Donc, ma réponse, c'est celle-ci. De vraiment réfléchir à l'orientation. Et il y a deux dossiers, il faut les remplir. Bon, mais tu vas être gâté par la deuxième question de Flo. Alors, je vais dire encore un truc ou pas? Ça Ben, va écoute. voir. Non, mais en tout respect, donc bien sûr, comment savoir si je vais un jour rencontrer l'amour et connaître cette expérience? Est-ce que cela va m'arriver? Alors Qu'il oui, là je faut. peux répondre. Ah, ok, mais Bon, très bien. décidément, on a. En fait, si vous voulez, c'est pas très juste ma manière de faire. C'est-à-dire, c'est comme si je sélectionnais les questions, mais vraiment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand j'ai la question, je sens si c'est juste ou pas de répondre. D'accord, ok. Et je vais pas répondre d'une manière précise parce que c'est pas le but. Et D'accord. moi, je voudrais vous amener à l'autonomie. Dans la voyance, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'à un moment donné, on peut virer vers la dépendance. C'est-à-dire, on pose une question, on avance dans sa vie, on repose une question et on fait en fonction de la réponse de la voyance.
Et moi, dans la voyance, j'explore les potentiels, c'est-à-dire quel potentiel tu as aujourd'hui que les choses se produisent. Alors, pour répondre à la question, c'est que le potentiel de rencontre, il n'est pas remis en question, mais il viendra à partir du moment où il y aura un accueil de qui vous êtes, Flo. Parce que pour moi, il y a un refus d'accepter qui vous êtes et vous souhaitez que le changement circule autour de vous. Alors, je suis désolée si ma réponse est trop brutus, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je suis désolée, ça sort comme ça. Donc, si c'est le cas, ben, vous me dites un petit mot, comme ça, je peux repréciser. Mais en ce qui vous concerne, effectivement, la rencontre, c'est pas un obstacle. Alors, peut-être que vous, si on se parlait en direct, vous seriez en train de me contredire, c'est sûr. Mais c'est pas l'obstacle, parce qu'en fait, c'est la réponse. C'est-à-dire que quand vous aurez effectivement accepté l'être que vous êtes, alors là, la rencontre va venir à vous. C'est pas vous qui allez la chercher. Et oui, est-ce que dans votre vie, vous allez être dans une rencontre, dans un couple stable, sérieux, enfin, qui peut vous apporter? Vous avez le potentiel et c'est surtout ce que vous devez réussir à réaliser. Donc oui, maintenant, quand, j'en sais rien, puisque c'est à partir du moment où vous allez accueillir votre personne. C'est hyper important que ça soit. Je sais pas, c'est comme si vous vous mettiez, vous êtes planqué derrière un rideau, vous croyez moins que ce que vous êtes, enfin, il y a de la dévalorisation et de la non-acceptation. Voilà. Et la rencontre, elle arrive en réponse. Alors, une question de Jellodal. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis. Je suis né le 27 janvier 60. J'ai Ah, super, ça m'aide. conscience de l'importance de l'âme dans le chemin de vie et donc j'aimerais réaliser ma mission. Pouvez-vous m'en dire plus? Merci. C'est drôle comme les questions deviennent de plus en plus. C'est chouette parce qu'elles sont personnelles et en même temps c'est des grandes questions. C'est pas juste une question précise. Est-ce que je sais pas, est-ce que Bidule va revenir ou on dirait qu'on a un autre niveau de questions. C'est chouette. Là, les trois questions qui sont venues, hein, elles sont plus générales. Donc le chemin de vie là, c'est pareil. C'est moi ce qui Je vais pas vous répondre, voilà, c'est peut-être la soirée, je vais pas vous répondre. Désolée. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dès que Nico a commencé à lire en donnant le prénom, la date de naissance, j'ai commencé à sentir ici, là, sous mon plexus et jusqu'au nombril, quelque chose qui serre comme une tension, une angoisse. Et pour moi, en fait, c'est la peur de pas être sur la bonne route alors que vous y êtes déjà. Donc, essayez de prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin et d'assumer que vous êtes sur le bon chemin parce qu'il y a quelque chose à assumer. Et là, ça ira. Parce que pour moi, vous l'êtes déjà, mais vous n'en avez pas suffisamment conscience parce que vous espérez certainement un chemin que vous estimez plus grand. Je ne sais pas, ça, c'est pas clair. Mais en tout cas, c'est comme si votre chemin actuel, eh bien, vous ne captez pas que vous êtes déjà sur la bonne route et que vous devez accepter. Enfin, il y a vraiment un travail d'acceptation. Parce que dès que je dis le mot accepter, cette tension que je sentais, elle s'apaise, elle s'apaise. Et de continuer à votre alignement, vous devez faire du travail soit méditatif, soit d'ancrage, soit de circulation énergétique, parce que ça se sent hyper fort. Et de continuer ça, parce que vous êtes sur la bonne route, mais assumez, prenez plaisir à la vie telle qu'elle est, plutôt que de vouloir la changer en croyant que vous n'êtes pas sur la bonne route. Voilà, parce que pour moi, vous y êtes déjà. Voilà ma réponse. Annie, bonsoir. Voyez-vous des capacités médiumniques pour moi? Merci d'avance. Alors, il me faut une date de naissance, là, c'est trop vague. Annie, si tu peux vite faire envoyer un mail avec ta date de naissance. Véronica. Parce que si vous me posez des questions, j'arrive plus à parler. Si vous me posez des questions de ce type-là, il faut quand même que je puisse me connecter à vous. Même si dans l'intention du mail, je ressens une vibration pour des questions comme ça. Voilà. En fait, j'ai eu une réponse, mais du coup, ça m'embête. J'en suis pas sûre. J'ai eu pas pour le moment. C'est-à-dire comme si, pourquoi pas, mais c'est pas tout à fait le moment de le développer. Voilà. C'était ma réponse, mais je préférerais avoir la date de naissance pour en être sûre. Justement, le principe de la date de naissance, il y a quelque chose qui circule mieux en toi, c'est quand de suite tu as Alors moi, l'information. c'est mon code, en fait. Je sais D'accord. pas. C'est pas pareil pour tout le monde, mais si tu me dis, en plus. Il y a des personnes qui, quand je leur dis donnez-moi le prénom et la date de naissance, ils me donnent la date de naissance et le prénom. Eh ben, ça marche pas.
C'est très drôle en fait. C'est prénom et âge ou prénom et date de naissance. Et là, ça fonctionne. C'est comme si j'avais hop, un passage, une clé qui m'apporte un lien qui s'ouvre en fait. D'accord. Et ça m'aide à mieux capter la personne. Je suis sûre que je capte la bonne, sinon c'est moins clair. Ok. Mais Véronica. c'est pas général, hein, c'est ce qui me concerne. Donc, Véronica, donc coucou Sorine, j'ai un projet dans quelques années de partir à l'étranger et de monter de ma propre affaire. Est-ce que ça marchera? Merci, gros bisous à vous deux. Véronica. Alors, bon, Véronica, comme je vois qui c'est, il n'y a pas de souci pour me connecter à elle, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, mais pourquoi elle n'a pas donné sa date de naissance et tout ça, tout ça. Mais c'est parce que, enfin, voilà, je suis sûre que c'est la personne que je connais, donc il n'y a pas de souci. Alors, oui, moi, je vois quelque chose dans l'idée, mais peut-être que je le sais déjà. Franchement, j'ai un doute, Véronica. Je ne sais pas si, enfin, c'est pas ma mémoire qui fonctionne, mais d'un coup, je me dis, c'est comme si je le savais déjà. En fait, j'ai vu quelque chose. Je vois une image d'un endroit pas très haut en termes d'étage, mais c'est comme un bâtiment pour recevoir des gens. Alors, je pourrais penser à un complexe hôtelier, un truc comme ça. Près de la plage, il fait chaud. C'est dans le sud. C'est pas. Ah oui, il y a l'étranger. J'allais dire, c'est pas en France, mais effectivement, elle a dit l'étranger, donc ça c'est. Ok, ça marche. Et dans le sud, comment, si je regarde la carte, en bas, un peu vers la gauche, quoi. Bon. Et en tout cas, oui, c'est compliqué à répondre parce qu'il y a tout le potentiel et en même temps, ça peut vraiment ne pas fonctionner. C'est-à-dire que, en fait, avant de lancer le projet, il faut vraiment que tu puisses. Ben, ça va peut-être tourner en boucle avec des choses qu'on a déjà pu se dire, mais que tu puisses prendre confiance, que tu puisses t'assumer, que tu... C'est vraiment prendre confiance en fait, parce que le projet en tant que tel, il peut fonctionner, mais si tu es trop dans le stress, dans l'angoisse, et je sens que ça va réveiller beaucoup de stress et d'angoisse, ce projet, eh ben, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire, ça vivotera. Maintenant, si tu prends confiance et si tu es sûr de toi, tu fais confiance au guide et en la vie comme tu en as la capacité, là, il n'y a aucun problème. Parce que le projet va fonctionner, mais c'est ton stress qui va mettre une tension autour des gens avec lesquels tu vas travailler qui va faire que ça va être moins sympa. Donc vraiment, vas-y, cool, quoi. Et en confiance. Alors, on va arriver à la question de Nadjat. Bon, qui se pose des questions sur les vacances. Dois-je partir en vacances au mois d'août? Est-ce une mauvaise idée? Ou est-ce une mauvaise idée? Ah, de quoi? Est-ce une mauvaise idée ou est-ce une mauvaise idée? On a deux fois le est-ce une Non, mauvaise non, idée? non, non, disons que c'est moi qui m'ai formulé. Ah bon, d'accord, parce que Bonjour je me Sorine et suis Nico. dit, c'est quoi? Bonjour Sorine et Nico. Dois-je partir en vacances au mois d'août ou est-ce une mauvaise idée? En fait, la première chose, c'est que j'avais pas forcément une réponse favorable pour le mois d'août. C'est comme si c'était pas. Le lieu est bon, mais pas le moment, en fait. Mais ça peut être, c'est trop vague. Ça peut être août, mais ça serait plutôt fin août dans ce cas. Voilà, bon, peut-être ça répond à la question, hein, mais si c'est tout le mois d'août, non, il faut le couper un peu. Les 10 premiers jours d'août, c'est pas une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi. Ok, alors on va passer à la question de Maïna. Sorine, donc bonsoir à vous deux. Sorine, tu vas peut-être trouver mes propos curieux, tout comme mon questionnement. Depuis ma petite enfance, je ressens comme le manque d'un frère qui n'a jamais existé physiquement. Et le plus Oui. curieux, c'est de ressentir encore aujourd'hui ce manque, avec l'impression d'avoir connu ce frère, sa personnalité. Ce manque est similaire à celui que l'on ressent après un décès. Qu'en penses-tu? Alors Merci. là, je ne sais pas qui répond, mais c'est le manque d'un jumeau en fait. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que tu as eu un jumeau dans ton incarnation actuelle ou dans une incarnation précédente? J'en sais rien. Mais c'est le manque d'un semblable. Et puis les guides, ils montrent aussi que. Ah oui, alors tiens, c'est intéressant. Ils montrent que c'est le manque de ton. Alors il faudra regarder l'émission sur le lexique de la guidance, mais c'est le manque de ton. De la connexion à ton être spirituel, puisque quand ton âme s'est incarnée, elle a pris une part de l'être spirituel. C'est pas l'être spirituel qui s'est incarné en entier. Alors si c'est du chinois, vous regardez l'émission lexique de la guidance, parce qu'on a mis 2 heures et demie, 3 heures dessus. Donc là, on ne va pas faire le même temps, surtout qu'il y a déjà une émission qui raconte tout. Donc, et c'est le manque en fait, c'est-à-dire que c'est comme si tu te sentais coupé d'une autre partie de toi-même. Donc ce n'est pas vraiment, comment dire, tu peux sentir un frère ou autre chose, mais
Et puis il y a la connexion à une vie passée. Peut-être que tu as eu un frère dans une vie passée. Ça, j'en sais rien. Je peux pas là me connecter de cette manière-là. Ok, donc justement, je viens à la seconde question de Maina. Oui. Une autre question. On entend souvent que l'on choisit les grandes lignes de notre incarnation, que certaines épreuves sont sur notre chemin pour nous faire évoluer. Je me pose la question de savoir dans quel sens, de savoir quel sens peut-on donner à une existence lorsque, dès notre incarnation, nous ne pouvons ni communiquer verbalement, ni d'une autre façon, que l'on est totalement dépendant de nos parents, que nous ne pouvons exprimer aucune émotion. Je pense à la fille d'une amie qui est née ainsi, et je me questionne sur le pourquoi de son incarnation ainsi. Quel sens cela peut-il avoir pour son âme dans cette vie? Alors, il n'y a pas que le sens de son âme, il y a le sens de l'âme avec les personnes avec lesquelles elle vit. Il y a des âmes qui décident de s'incarner pour permettre à une autre âme d'accomplir un chemin de vie. Donc, ça peut très bien. Donc, ça aide l'âme en tant que telle, mais ça aide, par exemple, les parents ou d'autres personnes à accomplir quelque chose. Donc, ça, pareil, il faudra voir le détail de la vie de chacun. Et puis, revenir à la question qui a été posée tout à l'heure aux enfants, par exemple, qui ont un cancer. Aussi, la réponse qu'on m'a donnée, là, que j'ai reçue, c'est quelle était sa vie passée? Et là, on aurait des réponses intéressantes, en fait. C'est qu'est-ce qu'il est nécessaire de vivre dans cette vie-là pour pouvoir évoluer par rapport à quelque chose qui a été bien ou mal vécu dans une vie passée? Il y a des expériences qui laissent comme des traces douloureuses dans notre âme, dans notre être spirituel, et que, du coup, dans une nouvelle incarnation, on a besoin d'apaiser. Donc peut-être, alors vous allez dire, ah bah oui, mais je vois pas comment on apaise dans cette situation. Mais effectivement, c'est assez difficile, mais sachez que tout a un sens. Alors peut-être que vous allez trouver que ma réponse est vague. Si c'est le cas, faut me le dire, j'essaierai de répondre plus précisément. Parce que pour moi, c'est très clair en fait. C'est très précis. C'est-à-dire que si à un moment donné, on s'est incarné, c'est soit pour un accord d'âme, soit pour se libérer de quelque chose d'une vie passée. Et puis, ce n'est pas des soins exclusifs, hein. Tout peut être égal. C'est-à-dire, pour se libérer d'une vie passée, plus pour réaliser un accord d'âme, plus pour aussi réaliser son chemin de vie et son incarnation. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait OK, quoi, en fait. Alors j'étais en train donc de notifier, d'intervenir sur le chat live parce que, disons qu'il y a des personnes qui posent des questions en mail et qui après interviennent sur le chat live. Et comme les pseudos ne sont pas les mêmes, il faut que je fasse un recoupement. Donc, Ah, d'accord, pour Annie, donc pour la question sur la médiumnité, si tu, voilà, si tu te reconnectes dessus, donc j'ai sa date de bah, j'ai naissance. toujours la même réponse, mais j'aimerais bien la date de naissance pour m'en assurer, quoi. Et bien là voilà, la date de naissance, donc Annie, c'est le 3-11-55. Bah, j'ai la même réponse. Excellent, D'accord. donc j'avais pas besoin de la date de naissance. C'est la même réponse. Oui, mais pas maintenant. Par contre, juste après, il y a Cathy qui donne sa date de naissance, mais ce serait bien qu'il y ait la question à côté. Mais on n'a pas eu une Catherine tout à l'heure dans les questions. Alors, Je ne sais pas attends. si c'est Eh la oui. même. Eh oui, parce que comme les pseudos sont différents, c'est vrai que ça. Bah sinon qu'elle repose la question, effectivement, oui, si vous avez un pseudo différent, bah, Voilà. repréciser quelle était la question. C'est Alors. plus facile peut-être pour Nico aussi, parce que tu dois regarder un peu dans tous Ouais, les ben, sens. oui, j'en ai un peu partout. Donc je lis son pseudo entièrement sur le chat live. Donc c'est Cathy Totel. Donc Cathy, si tu peux reposer la question sur le chat live, voilà, ce sera plus simple pour moi. Ok. Alors il y avait une question aussi de Ève. De Ève, tu m'as dit que j'avais la protection de Dieu et pourtant je suis très mal en ce moment. M'a-t-il lâché? Alors, la protection de Dieu, est-ce que j'ai utilisé ce mot-là? Je crois, J'ai un doute. je crois pas. Moi, je te connais très bien, Sorine. Je crois pas. Alors, je peux dire la protection divine, Ah, effectivement, mais la peut-être, oui. protection de Dieu, ça m'étonne un peu, mais bon, pourquoi pas. Oui. En tout cas, la protection divine ou la protection des guides, elle est là constamment, même si nous, on est mal dans le monde incarné. Enfin, elle est là constamment, ça dépend des personnes, mais.
Il y a des personnes qui sont plus ou moins protégées en fonction du chemin de vie, donc ça sera encore un peu complexe d'aller dans tous les détails. Mais à un moment donné, s'il y a cette... Comment dire? Pour moi, c'est comme si c'était une question contradictoire, Ève. C'est-à-dire que, effectivement, dans le monde terrestre, on peut être très mal dans ses baskets et pourtant avoir des guides super motivés, super protecteurs, mais qu'on n'arrive pas à se connecter à ça parce qu'on est coincé dans la souffrance du monde matière. Donc, c'est d'essayer de faire cette différence. Souvent, on me dit, bah oui, mais bon, si j'ai des guides qui me soutiennent, pourquoi ils ne le font pas à ma place, quoi, en gros. J'exagère, hein, mais c'est un peu l'idée. Ben oui, mais bon, si je dois rencontrer quelqu'un un jour, pourquoi on me l'envoie pas ou on me file pas son numéro direct ou j'exagère un peu de cette manière. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Il faut pas croire. C'est pas parce que c'est écrit sur notre chemin que tout va se manifester. C'est écrit qu'il va se manifester quelque chose, mais pour ça, il faut que nous-mêmes on fasse quelque chose. Donc à un moment donné, si vous êtes mal, enfin à moins que ce soit F que je vois, mais j'ai l'image de F que je connais, donc. Donc peut-être que c'est ok. Bon, dites-moi. Enfin oui, si je l'ai déjà dit, c'est qu'on s'est peut-être déjà rencontré. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on peut très bien être mal. Oui, c'est sûr, c'est Eve que je connais. C'est de la bande des 3-4. On va dire que c'est ça. Et bah, c'est sûr parce que j'ai l'image qui n'arrête pas de revenir. Bon, bref. Donc, c'était juste pour dire que oui, la protection divine, elle est là et elle protège pour que, à un moment donné, il nous arrive le moins de mal possible. Mais si nous, on est mal, on est mal. Et ça, c'est quelque chose qui est en notre pouvoir. Nos guides, ils sont bloqués, ils ne sont pas dans la matière, ils ne sont pas là pour venir nous faire un gros câlin. Même si énergétiquement, ils nous l'envoient, ils ne peuvent pas le faire à notre place. Donc, il faut faire la différence entre les deux. C'est super important et parfois on vit des périodes où on est super mal. Moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très très longtemps. Pourtant, j'ai des guides qui sont très présents et même Perle une fois m'a dit, mais tes guides, ils attendent juste que tu sois prête et puis ils vont faire plein de trucs pour toi. Et moi, j'étais là un peu au bout du rouleau. Ah bon? Non, en fait, là j'ai juste envie de rien, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. Ça arrive, on a des périodes comme ça. Parce qu'on est des êtres humains, faut arrêter de vouloir séparer les deux. On est des êtres humains et en même temps, on a le droit de se faire des pauses un peu spirituelles parce qu'on n'y arrive pas et c'est ok. Parfois, on a besoin de vivre un moment douloureux, mais de le vivre pour s'en libérer, pour s'en élever, pas pour se planter. C'est la différence. Parce que notre âme, elle n'est pas venue là juste pour se planter, hein. Ça, c'est pas vrai. Très bien. Alors, je vais remonter le fil du chat live parce qu'il y a d'autres choses que j'ai zappées entre-temps. Donc, de Evelyne, j'ai une amie qui, depuis quelques mois, voit une personne décédée chez elle. Elle reste quelques secondes, puis s'en va. Que peut-elle faire pour l'aider? Alors, ça dépend qui on veut aider. Mais la question, c'était que peut-elle faire pour l'aider? Mais je voudrais répondre d'une manière un peu plus générale. C'est pour s'aider soi quand on voit un défunt et qu'on ne se sent pas du tout apte à faire quoi que ce soit, c'est simplement lui dire merci de me laisser tranquille, je ne suis pas la bonne personne. Et vraiment, de le faire sincèrement, sans peur, et ça fonctionne. Ça a l'air un peu idiot, mais je vous assure que ça fonctionne. Ensuite, pour l'ami d'Evelyne, effectivement, je vois effectivement qu'il y a un défunt qui reste statique, un peu comme figé, donc ouais. Eh bien, c'est simplement, on peut faire des prières. Alors, quand je dis faire des prières, c'est pas forcément sortir la Bible, la Torah, le Coran. C'est pas sortir un truc avec une prière écrite ou une prière bouddhiste. Enfin bref, c'est à un moment donné lui envoyer un maximum d'amour, de paix. Pour lui montrer que c'est possible de continuer sa route et qu'il y a des guides qui peuvent l'accueillir. Parce que souvent, quand on voit des défunts comme ça, c'est qu'ils sont un petit peu paumés et qu'ils sont plutôt dans les niveaux inférieurs par rapport au niveau milieu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est les niveaux les plus bas. Donc là, on peut les aider. Mais si, et c'est vraiment de lui envoyer, de demander une protection pour soi, parce qu'il ne s'agit pas non plus de s'ouvrir au défunt pour que le défunt entre en nous, quoi. C'est bien sûr, faut faire attention à ça, mais c'est simplement de lui envoyer la perception qu'il y a un autre passage, qu'il y a une voie pour qu'il puisse s'élever et être accueilli par un monde spirituel qui va l'accompagner. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire brûler une verge, vous pouvez
Alors pourquoi c'est un objet spirituel chrétien, enfin pas que chrétien d'ailleurs, des neuvaines. Mais moi, je vous conseillerais de l'acheter dans une église si vous achetez une neuvaine. Parce que dans les magasins ésotériques, les neuvaines, elles sont mélangées avec tout un tas de d'autres objets qui peuvent s'influencer les uns sur les autres. Donc si vous ne savez pas nettoyer un objet, énergétiquement, l'apaiser au niveau de ce qui le pèse, quoi, eh bien, dans ce cas, achetez-le dans une église, il n'est pas pesé. Ils sont assez nets, les neuvaines qui sont là-bas. Donc ça peut être ça aussi. Et puis, ça veut de lui envoyer, en fait, comme si c'était un super ami et qu'on lui dit, mais c'est bon maintenant. Allez, fais confiance, tu peux être accueilli, ça va aller, de le rassurer en fait, parce que souvent c'est des défunts qui sont juste, ils savent pas du tout qu'ils sont là. Et puis pendant un moment, il est possible que ce défunt, il capte même pas qu'elle lui parle. Mais on peut continuer, voilà. Et sinon, d'appeler quelqu'un qui sait faire. Une remarque de Pierre. Oui. Tiens, c'est souvent quand on a abordé certaines questions. Pourquoi faut-il toujours que les questions voyantes soient toujours en nivellement vers le bas? Ben, pourquoi, en fait, mais Pierre, ouais, alors, bon, comme tu le vois, est-ce que je suis d'accord avec toi ou pas? Il y a quelque chose comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de se tourner sur soi pour avoir une réponse tout à fait personnelle. Donc, ok, mais moi, je pense qu'on peut vraiment avoir une réponse tout à fait personnelle dans les réponses beaucoup plus générales, d'essayer de comprendre le sens, de trouver son chemin par soi-même, d'être autonome. Et dans la voyance, je trouve qu'il y a un côté qui ne rend pas autonome. Et moi, j'œuvre vraiment dans mon travail à faire tout pour que ça devienne une autonomie. C'est-à-dire, voici une liste de possibilités. C'est comme à la fin des études, par exemple, j'en sais rien. On va voir le conseiller d'orientation et regarde nos notes et puis dit, bon, ben voilà, maintenant tu peux faire ça, ça, ça comme formation, comme étude. Voilà, maintenant tu choisis. Et ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais de dire oui, il faut que tu fasses tel métier, il faut que tu rencontres telle personne, il faut que et c'est ça et pas autrement, ben moi c'est pas mon trip, voilà. Et je refuse de le faire parce que c'est pas pour moi c'est pas juste. Le but c'est qu'on soit autonome et pas comment dire, on est interdépendants, on vit tous les uns avec les autres, mais on va pas développer une dépendance à plus pouvoir s'en sortir et attends j'appelle mon voyant avant d'avoir une réponse, c'est pas possible ça. Enfin, moi, ça ne me correspond pas. Mais il y a des personnes qui en ont besoin, et je peux le concevoir. Et il y a des voyants qui répondent à ça. Eh ben, ok. Alors, en tout cas, ça ne sera pas avec moi. Mais il n'y a pas de... Ça m'arrive, hein, ou même ben, ma secrétaire, elle est quand même assez chouette là-dessus, parce que c'est vrai que des fois, elle est un petit peu, comment dire, tranchée, mais comme moi aussi, donc ça me va bien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent revenir 2 semaines après, ou elle leur dit non, c'est pas possible. Sorine va refuser. Donc, je ne peux pas vous donner de rendez-vous. Il faut attendre. Parce que ça sert à quoi, en fait? Ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un qui insistait, qui est passé par SMS, secrétaire, le mail, qui a insisté plein de fois, Facebook, enfin, j'ai eu droit à tout. Et qui m'a dit, mais moi, je veux quand même un rendez-vous. Donc, à un moment donné, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, bah, OK, alors le rendez-vous, ça va consister en la chose suivante. Vous allez ouvrir votre portefeuille, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Moi, je vais le mettre en dessous, je vais récupérer l'argent. C'est tout ce qu'on va faire. Parce que je vais vous répéter la même chose. Qu'est-ce que vous voulez, jeter votre argent par les fenêtres? Et la personne m'a dit oui. Je dis bon, ben, alors là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Il y a Mais la parfois plupart du temps, c'est réglé parce que déjà, il y a le filtre ma secrétaire qui elle gère très bien ça. Donc c'est très rare quand même. Et puis de toute façon, à la fin d'une consultation, je les préviens que c'est même pas la peine, quoi. y a parfois un besoin d'être rassuré, même en entendant les mêmes choses. C'était peur. C'est peut-être par ça que ça peut se comprendre, Tout à ces fait. Et personnes qui là, tu sont as victimes. parfaitement raison. Et dans ce cas, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, Vas-y. non, non, vas-y, je Et continue. bien, dans ce cas, tu as parfaitement raison. Mais dans ce cas, c'est un autre type de travail qu'il faut faire. Il faut faire un travail sur soi pour prendre confiance, pour se rassurer, pour se sentir guidé. Je propose des séances que j'appelle le coaching spirituel, c'est-à-dire que je mélange un peu mes capacités en tant que médium, c'est-à-dire que je reste connectée au guide et qu'en même temps on fait un travail de... Alors c'est pas tout à fait une thérapie, mais... Et donc, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que je dois lui dire ou...
Bugué? Je sens que ça bug de mon côté, mais ça va peut-être revenir. Ben, moi là, ça a bugué un peu, puis c'est revenu. Voilà. Par contre, j'ai un petit peu d'écho, mais ça devrait être bon. Ok, vas-y, Ah bon, continue. c'est bon? Donc, je sais plus trop où j'en étais du coup, mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres types de séances possibles dans ce cas si à un moment donné on a besoin de reprendre confiance en soi. Et après, moi, je vais pas juger quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller voir régulièrement un voyant pour pouvoir avancer dans sa vie et que le voyant c'est ok parce que c'est aussi une manière d'accompagner la personne. Sauf que moi, je veux pas le faire. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont OK pour le faire. Pour moi, ça rentre pas dans ma morale personnelle. Donc, je vais pas pouvoir le faire. Maintenant, que d'autres le fassent, pourquoi pas? Alors, une question de. C'était la seconde question de Evelyne. Sorine, j'ai des ressentis très forts quand je vois les gens ou des situations qui se traduisent par des infos vraies. Je suis médium ou intuitive? Alors, comment Alors, franchir la barre de... Oui? je poursuis ça. Parce que voilà, c'est une question en deux temps. Donc, je poursuis son raisonnement. Je veux dire si c'est de la médiumnité ou si c'est autre chose, car ça m'aiderait à m'orienter dans une direction. Gratitude. Alors, j'ai eu plusieurs réponses, Evelyne, en fait, hein. La première réponse, c'est que pour développer ça, il faut continuer à t'occuper de toi, en fait. Renforcer ce lien de s'occuper de soi. Parce qu'il y a une grande volonté d'accompagner, d'aider, de transmettre, de soutenir les autres. Et il y a trop l'oubli, en fait. Je sens trop l'oubli chez Evelyne. Oublie-toi, hein. Mais en même temps, je sens que c'est quelque chose qui s'avance, qu'elle fait évoluer. Donc, voilà. Et par rapport à ces capacités-là, comment voir la différence entre une intuition et une médiumnité? Eh bien, la médiumnité, c'est quand on va commencer à parler avec des êtres spirituels. Donc, ça, c'est vraiment la médiumnité. L'intuition, c'est des choses qui vont se produire dans le corps, comme un déclic qui va nous dire, ah, va là-bas, n'y va pas. C'est plutôt quelque chose de personnel au niveau de l'intuition. Ça peut se développer vers les autres, mais c'est quand même globalement assez personnel. Donc oui, qu'après ça puisse développer quelque chose, je pense que c'est juste. Mais Evelyne, d'abord, continuez, je crois pas qu'on se tutoie, peu importe, continuez à vraiment être en lien avec vous-même. Et il y a vraiment un désir, une impatience presque à avancer. Ben, faudrait la calmer en fait. Et ça va évoluer. Une question de Amel. Alors Amel, je lui ai demandé sa date de naissance. Alors je lis d'abord la question. Bonjour, ma mission de vie Alors concerne-t-il... non, si tu as la date de naissance, je veux bien le prénom et la date de naissance. Tu sais, c'est ma clé. Donc sinon, tu seras obligé de me répéter le prénom et la date de naissance. Alors là, j'ai juste le pseudo, donc c'est Amel. C'est pas grave, ça marche aussi le pseudo, mais je veux bien la date de naissance. Oui, bien sûr. Donc, Amel, le 25-08-62. Bonjour, ma mission de Amen. vie concerne-t-elle les soins? Merci. Oh bah c'est trop fort. Juste avant, en fait, juste quand j'écoutais vaguement ta question, parce que j'étais déjà en train de me connecter et j'ai vu des mains comme ça et j'ai vu sous l'arrondi des mains comme une lumière. Donc ça me disait rien de spécial, mais quand la question a été posée, je me suis dit ah oui d'accord, effectivement, je comprends. Donc oui, et puis la guidance à travers l'énergétique, voilà. Une question de Cathy. Lors d'une séance, excuse-moi, je suis en train de, voilà, de descendre, C'est pas grave, voilà, je continue ma descente de voilà bagage. l'amolette de la souris sur le chat. Donc, lors d'une séance d'écriture automatique que l'on m'a faite, la personne m'a dit donc ce sont des propos de mon grand-père qu'il est mon guide familial et deviendra mon guide spirituel. Est-ce un rapport uniquement avec son évolution à lui ou cela peut avoir un lien avec la mienne? Merci. Alors là, c'est un peu flou pour moi, cette question. Déjà, ça doit être encore une question de terminologie, mais un défunt ne peut pas être un guide, un défunt peut nous guider. Donc, peut-être que c'est juste une question de terminologie.
Donc un défunt peut venir nous voir, mais il a toujours l'influence du lien qu'il a eu avec nous. Donc moi, les personnes, les êtres auxquels je fais le plus confiance, ce ne sont pas les défunts, ce sont les guides, parce que eux, leur but, c'est qu'on accomplisse notre chemin de vie. Nos défunts, ils ont aussi le but que on fasse ce qu'on a envie de faire. Et parfois, ce qu'on a envie de faire n'est pas en relation avec notre chemin de vie. Donc vous voyez, ça, c'est un petit peu parfois délicat. Ça fait une différence. Donc ça, c'est le premier point. Après, en fonction, le grand-père qui devient un être spirituel et qui, pourquoi pas, dans une prochaine vie, peut l'accompagner, ça me semble cohérent. Dans cette vie-là, ça me semble pas. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu l'expérience, donc ça me semble pas. Je sais pas, ça sonne pas juste, en fait, hein, parce que j'ai entendu une méfiance, donc ça sonne pas tout à fait juste. Voilà, j'espère avoir pu répondre à la question quand même. Sinon, dites-moi. Alors, une question de Christelle. Bonjour. Pour guérir une blessure, entre parenthèses, abandon, peut-il parfois être bénéfique de prendre Ah, attends. connaissance? Pardon? Oui. Attends. Attends, j'ai perdu l'écouteur. Vas-y. Donc, c'était une question donc de Christelle. Christelle. Bonjour. Abandon. On était là. Pour guérir une blessure, donc abandon, peut-il parfois être bénéfique de prendre connaissance de ses vies antérieures. Oh oui, alors là, je répondrai un grand oui parce que maintenant, est-ce que c'est indispensable? Je dirais non. C'est pas indispensable, mais effectivement, les vies passées vont pouvoir nous amener à comprendre des choses. Alors, est-ce que c'est la vie passée qui va être en situation de rappeler cet abandon et de comprendre pourquoi ça se renouvelle dans cette vie actuelle? Franchement, il y a de grandes chances et puis je sens un grand oui quand la question a été posée. Mais les vies passées apportent vraiment un éclairage particulier parce que on commence à apprendre à faire la différence du coup entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Parce que même si c'est une vie passée, on pourrait dire qu'elle appartient à notre histoire, à notre histoire d'être spirituel, mais elle n'appartient pas à notre histoire de notre vie actuelle. C'est-à-dire la personne que j'étais dans une vie passée, si j'étais une femme, je pouvais avoir enfin, j'avais un autre physique, une autre histoire en fait. Donc c'est pas moi, mais je suis influencée par cette histoire. De la même manière que quand on est dans une famille, on n'est pas la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, mais on peut subir l'influence des personnes de la famille. Donc, les vies passées, c'est la même chose. On subit une influence et c'est bien de prendre conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire, ce que je vis dans ma vie actuelle, est-ce que c'est l'influence de ma vie passée ou est-ce que c'est vraiment moi dans cette vie actuelle? C'est toujours important de faire la différence. Au même titre que dans l'éducation, on nous apprend des choses et puis quand on grandit, on peut apprendre à faire la différence. Est-ce que ça, je le fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire et c'est mon éducation. Ou est-ce que je le fais parce que c'est moi qui décide que cette éducation qu'on m'a donnée me plaît? Et faites la différence. Et s'il y a des choses que dans votre éducation, vous a obligé à faire, mais que finalement, vous avez envie de vivre d'une autre manière, ben faites-le. Par exemple, moi, on m'a toujours obligé à finir mon assiette, quitte à me rendre malade. Ça, c'était pas grave de se rendre malade tant que l'assiette était finie. Après, j'exagère, hein, il faut pas, je veux dire, on ne me servait pas des plâtrés à me rendre malade, mais en tout cas, c'était important. Sinon, on prend pas dans son assiette. Donc, si on prend, on mange tout. Bah, aujourd'hui, il m'a fallu du temps pour réussir à laisser des choses dans mon assiette. Mais ça peut m'arriver. C'est rare parce qu'en général, bah, déjà, j'ai bon appétit. Mais ensuite, j'essaye de prendre des portions en fonction de ce que je vais manger. Mais si jamais ça arrive, je le laisse. Je m'autorise à le faire parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plus important d'être bien dans mon corps plutôt que de me rendre malade parce que si je mange pas mon assiette, il y en a qui vont mourir de faim. Ça, j'ai jamais compris, hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un mourrait de faim parce qu'il me reste un truc dans mon assiette. Mais bon, ça, c'est les choses qu'on explique pour éviter d'apprendre de faire du gâchis. Et ça, c'est chouette. Mais à un moment donné, si je me considère que pour moi, dans ma vie, j'ai envie de le vivre autrement et que ma morale, c'est de faire autrement, bah, j'ai le droit de le faire. Donc Christelle qui demande aussi, je me demande si je suis médium ou intuitive. Comment développer cela? Donc elle met sa date de naissance 21-03-76. Alors, la première chose, c'est que c'est intuitive et que les peurs empêchent de développer la médiumnité, qu'il y a un désir, mais que, je sais pas, il y a un truc qui la bloque, ou les doutes, comment dire, la mésestime, le doute de soi, en fait, finalement. Par contre, l'intuition, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez l'écouter à fond, Christelle, pas de souci. Mais en ce qui concerne la médiumnité, il faut effectivement vous faire accompagner si vous voulez la développer. Alors, comment la développer? Ben, il y a des milliers de façons, en fait.
Ça peut être des expériences personnelles, vous pouvez lire des livres, vous pouvez faire des stages. Voilà, maintenant, vous donnez un cours sur comment développer la médiumnité. Pourquoi pas un jour, d'ailleurs, on donne des stages là-dessus, donc on va réfléchir aussi à le faire à distance. Mais, ou pourquoi pas faire une émission un peu sur le thème, mais je pense que le mieux, c'est de l'expérimenter par soi-même. Donc, proposer des exercices concrets et puis de vous faire accompagner. Là, avec la Web TV, le truc, c'est que, ok, là, on est en direct et vous pouvez intervenir en direct, mais ensuite, elle est visible autant de fois qu'on le souhaite, c'est ça qui est génial. Mais ce que je vais dire là, pour les personnes qui sont en ligne avec la connexion que j'ai, les personnes qui écouteront plus tard, elles auront certainement d'autres choses à dire et là, on ne pourra pas dialoguer en direct. Donc, c'est à réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, il y a plein de manières de le développer. Mais surtout, vous laissez la volonté de côté, parce que ça, c'est le pire ennemi du développement. Bonsoir, je m'appelle Christelle, 20, donc 2409, excuse-moi, 2409 65. Je vis des chamboulements et je voulais savoir si c'était en lien avec des capacités qui s'activent. Merci. Alors pour moi, ce que je vois en fait, j'ai vu comme une, comment dire, comme une boule. C'est-à-dire, j'ai vu, c'est un peu bizarre. Hein, je suis désolée Christelle pour cette image, hein, mais c'est ce qui m'est venu. J'ai vu que c'est comme si vous tombiez dans la neige et que vous roulez et que vous devenez une boule de neige géante. Vous voyez un peu le truc. Donc vous êtes à l'intérieur de la boule. Vous êtes en même temps protégé parce que je sens pas du tout de danger, mais au fur et à mesure que ça avance, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente et vous devenez une grosse boule de neige. D'accord? Mais c'est très bizarre puisque cette boule de neige que je vois, elle est en forme de roue. C'est-à-dire que je peux vous voir de chaque côté. C'est pas comme une sphère. C'est vraiment comme si c'était le tour de la roue et que vous étiez le centre de la roue. Donc peut-être que ces images auront un sens pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous les décris parce que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et ce qu'on me montre, c'est que ce qui se passe en ce moment, ce chamboulement, et à chaque fois que je dis chamboulement, je vois cette boule de neige qui avance. Et puis ça fait tourner la tête. Enfin, imaginez-vous au centre d'une roue, hein, ça fait tourner la tête. Eh bien, c'est simplement pour vous remettre sur la bonne voie, parce que c'est comme si vous vous étiez un petit peu éloigné et que là, on vous dit, bon, maintenant, t'y vas, tu fais ce que tu dois faire. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est une période et c'est vraiment pour vous remettre sur la voie. Donc, ça c'est Evelyne, un commentaire d'Evelyne. Merci Sorine, tu m'as bien décrite. Et oui, j'aide beaucoup les autres avec joie, mais j'oublie, mais l'oubli de moi-même aussi, j'avance sereinement. Et oui, tu peux me tutoyer avec grand plaisir. Mais je crois qu'il y a des émissions où on s'est tutoyé, d'autres émissions où on s'est Oui. vouvoyé. Et moi, j'ai toujours un peu de mal avec le vous et le tu, donc j'aime bien le vous. Et puis, des fois, j'ai du mal à faire des transitions. Alors, juste pour répondre à Cathy, oui, j'ai posé sa question. Donc, vu que ça a bugué chez elle, tu pourras écouter la réponse par le podcast, hein, par le replay, qui sera de suite Oui, disponible. j'espère qu'il y aura toute la réponse. Qui sera, disons, le replay, c'est tout de suite disponible, enfin, quelques minutes après, le temps qu'il y ait un traitement en cours, sur la chaîne YouTube de Akasha. Donc, un commentaire de Christelle. C'est mon travail aussi, du moment aussi. Donc, c'est concernant la nourriture. Merci pour la réponse. De quoi la nourriture? Ça me dit rien comme question, ça. C'est de Christelle. Tu as Oui, évoqué mais la. je vois pas le rapport avec la nourriture. C'est mon travail. Alors, moi, voilà, je te lis son commentaire. C'est mon travail du moment aussi. Entre parenthèses, nourriture. Merci pour la réponse. D'accord, ok, bon, Voilà. bon. Parce que j'ai eu deux Christelles de suite, donc d'un coup, je pense que c'est la première Christelle, là, par Donc, rapport aux capacités. ok, d'accord. Donc, Cathy, donc, tu reposes la question, mais je l'ai posée, donc tu verras au replay. Donc, merci de Hamel. Merci de Christelle. Et après, donc, on va. Pour le chat, j'apprécie, j'ai reçu des questions par mail, donc je vais un petit peu arrêter avec le chat. Jérôme, 21 novembre 73. Voyez-vous un défunt qui cherche à rentrer en contact avec moi? Ça, je réponds pas à ces questions-là, je ne sais pas. D'accord. Oui, et c'est masculin. Oh, vous voyez, les guides, ils sont taquins. Hein. Moi, j'ai pas envie. Personnellement, vous voyez, j'avais pas envie. C'est moi qui avais pas envie. Parce que je sais pas. J'adore répondre sur les vies passées, sur tout un tas de trucs et sur les défenses. C'est moi ma tasse de thé. Et ce qui est cool, c'est que comme on travaille avec Perle et qu'elle, elle adore les défunts, donc c'est cool en général. Voilà, donc les questions sur les défunts, en général, je dis bof, j'ai pas envie. Et ben si, on m'a quand même répondu.
Oui, masculin. Alors, je reviens sur les mails. Donc, c'était. Alors, on a une nouvelle question de Maïna. Donc, je reviens sur ma question précédente, sur la fille de mon ami qui est handicapée. Je n'ai pas trouvé Oui. claire, entre guillemets, la réponse. Quand que son incarnation permette à ses parents d'évoluer, montrer de ses émotions ou autres, comment peut-elle donner un sens à son existence? Comment peut-elle évoluer dans un corps dont elle est prisonnière et sans pouvoir communiquer du tout avec l'extérieur? Alors, quelle était sa vie passée? Ça serait la question la plus intéressante à poser. Mais comme ça lui appartient, c'est pas une réponse que je vais donner, d'accord? Donc, peut-être qu'en lien avec sa vie passée, il était important qu'elle vive qu'on peut voir comme un enfermement ou quelque chose comme ça. Maintenant, on peut tout imaginer, mais le but, c'est pas d'imaginer, c'est d'avoir la réponse qui la concerne, ok? Et ensuite, quand bien même il n'y aurait pas cette question, dans la manière dont tu poses ta question, tu as donné la réponse que j'ai donnée aussi tout à l'heure. Si elle est là pour faire évoluer ses parents, ça peut être aussi un accord d'âme. Je vous donne un autre exemple. C'est une dame qui est venue me voir pour communiquer avec son enfant qui est décédé quand il avait peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc quelque chose de... Enfin, c'est affreux de perdre un enfant. Ok, hein, tout le monde peut comprendre ça. Pas le ressentir, parce que seules les personnes qui l'ont vécu peuvent vraiment le ressentir, mais on voit bien que c'est affreux. Et cette personne-là me dit rien. Hein, et à un moment donné, je lui dis, mais pour moi, c'était prévu, vous l'avez décidé avant votre incarnation, vous lui avez permis de vivre cette vie-là et de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et surtout, vous deviez l'accompagner dans ses derniers jours, être très présente, et c'était OK que ça soit vous, parce que votre âme, avant l'incarnation, elle l'a décidé. Et la personne incarnée me dit, oui, et c'est pour ça que parfois, j'ai du mal à être aussi triste que ce qu'on pourrait imaginer, parce que je sens que c'était déjà prévu, qu'on avait fait un accord. C'est comme si on avait passé un deal avant de s'incarner. Donc, elle vit une souffrance affreuse, mais en même temps, elle sait qu'elle a passé ce deal-là. Donc, peut-être que la fille de tes amis, Maïna, elle est là pour leur apprendre quelque chose et qu'elle sait qu'elle a passé ce deal et que ça la remplit, ça lui apporte. Voilà. C'est une réponse. Est-ce que c'est sa réponse? Ça, il faudrait voir directement avec ses parents ou avec elle. Ça, je peux pas répondre plus précisément parce que c'est personnel. Alors, je reviens sur la question mail. Une question de Sylvie. Bonsoir. Ça va, Sorine? Bonsoir. Bah justement, je bâille pour dire bonsoir. Non, ça marche pas. Donc, Sylvie, bonsoir à tous les deux. Sorine, quel est ton avis sur les orbs? Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, tout à fait. Ok. Les orbes, ce sont quand on prend des photos, il y a Très bien. des ronds lumineux qui peuvent apparaître sur la photo et des personnes disent que c'est comme si on avait capté des âmes. Je crois que c'est un truc comme Ok, donc ça. je poursuis la Les question. défunts, on peut mettre tout un tas de... Donc, quel est ton avis sur les orbes? Il est dit que généralement, ce sont des énergies, entre guillemets, neutres. Dans ma chambre, j'ai filmé plusieurs fois et il y en a énormément, ainsi que sur photo. C'est assez impressionnant et j'en ai peur personnellement. Voilà, son message s'arrête là. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'à la lecture du message, il n'y a aucune nécessité à avoir peur, parce que ces peurs, c'est comme si elles donnaient de la matière. Enfin, c'est comme si ce sont ces peurs qui lui font peur. Enfin, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est comme si ces peurs, elles provoquaient une énergie qui fait peur. Mais c'est pas les orbes. Enfin, bref. Après, mon point de vue là-dessus, j'ai jamais vraiment. Ça peut arriver que sur une photo, je vois un orbe et que je vois aussi une âme, mais pas au même endroit que l'orbe. Voilà, donc j'ai pas d'avis, je suis pas experte sur le sujet, mais je peux répondre juste par rapport à sa question à elle. C'est-à-dire, n'aie aucune crainte, c'est ok, tout va bien. Mais il faut se rassurer parce que pour moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui mettait de la peur en fait. Du coup, comme ça met un climat de peur, ça vous provoque la peur et puis après, on est dans un cercle vicieux. J'espère que je me serais bien exprimée, si c'est pas le cas, vous me le dites. Et puis aussi, il y a des personnes qui disent que les orbes, c'est aussi des grains de poussière qui captent une lumière et qui provoquent un effet d'optique. Donc après, quelle est la bonne réponse? Moi, j'en sais rien. J'ai pas d'avis plus qu'un autre, en fait. On a une question
de Véronique. Ça aurait été bien si Véronique avait mis sa date de naissance, mais bon, si elle veut répondre. Bonjour, je ressens beaucoup de choses. J'ai vu aussi des revenants en photo que j'avais prises chez ma fille. Ai-je un don? Merci. Date de naissance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc Véronique, si tu veux envoyer ta date de naissance dans les prochaines... Enfin, là maintenant, si tu écoutes, Parce ce que la sera ça. réponse n'est pas Voilà. claire, donc je ne peux pas donner de réponse. Voilà, on peut t'apporter une réponse plus précise, enfin, plus précise. Un peu plus... Peut-être. Voilà. Moi, je mets pas ma main au feu. Tant que Oui, j'ai pas les c'est... infos, je peux pas dire si je vais avoir une réponse. Alors, je reviens sur le chat. Donc une question donc d'Evelyne. A-t-on vraiment besoin d'entendre les guides ou anges? Car moi, je les ressens dans le cœur et les synchronicités. Alors j'adore la question d'Evelyne parce que c'est une question géniale et au-delà d'entendre, on pourrait mettre tous les mots possibles. Il y a des personnes qui viennent dans les stages qu'on a même de développer les capacités médiumniques, qui viennent et qui disent ah bah oui mais bon l'autre t'as vu elle voit des images et moi je ressens et je voudrais voir ou je voudrais entendre et de toute façon moi tant que j'entendrai pas j'y croirai pas alors que j'ai tout un tas d'autres signes bon. Vous voyez, les mots utilisés, c'est la volonté, encore une fois. Je veux voir, je veux entendre, je veux. Est-ce que ce qui est important, il y a des personnes qui ont ça comme une évidence. D'un coup, pour eux, c'est une évidence. Donc, ils voient pas, ils n'entendent pas, ils ressentent pas. C'est juste une évidence ou une odeur. D'un coup, ils ont une odeur et plaf, ça leur donne une information. Donc, est-ce que c'est important d'avoir le package? Non, c'est pas important. Moi, souvent, je dis, j'entends, je vois, je ressens. Et maintenant, je dis, et je sais, puisque j'ai aussi des évidences. Ok, ça a l'air d'être fromage, dessert, salade, enfin le menu complet. Mais c'est pas important parce que parfois pendant une séance, ben je vais que ressentir, d'autres je vais que voir. En fait, ce qui est important, c'est finalement c'est comme si vous me demandiez, est-ce que c'est important de dessiner au crayon de papier, à la peinture ou de dessiner avec des crayons de couleur ou en fait on s'en fout. Ce qui est important, c'est de réaliser ce qui est juste pour vous. Et si pour vous c'est le ressenti physique, c'est cool, donc génial, on y va, on ressent et c'est ok. Alors Evelyne, effectivement, il faut penser à se protéger, hein, c'est toujours le même problème, mais on revient à ce qui a été dit précédemment. Donc il faut toujours, quand vous voulez dépasser vos capacités, comment dire, décupler, développer vos capacités spirituelles, la première chose c'est de demander à vos guides une protection. Et s'il vous plaît, demandez à vos guides, pas à autre chose, pas à vos défunts, pas à... C'est pas qu'ils peuvent pas le faire, mais si vous demandez à vos défunts et que vous n'êtes pas protégé, vous savez pas quel défunt va vous répondre. Donc vos guides, c'est vos guides, ils font partie intrinsèque de vous. Là, c'est pas la même chose, d'accord? Donc ça, c'est super important. Concernant le message de Véronique, j'ai sa date de naissance, qui est Oui. le 19 avril 65. Je te relis la question, ou c'est bon? Non, c'est les capacités, c'est ça? Voilà, je ressens beaucoup de choses. J'ai vu aussi des revenants en photo. J'ai Oui, pris chez ma... mais Voilà. j'ai Ok. la... En fait, j'ai l'intention, donc je n'ai pas le détail des mots, mais D'accord. j'ai l'intention, en fait. C'est-à-dire... Alors, ouais, non, mais c'est pas clair. Parce qu'ils disent... Ils disent non et oui, donc c'est pour ça que ça m'a... C'est la même réponse que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais quand même la donner. Hein. C'est non, pas comme tu le souhaites. Donc, ça voudrait dire oui, mais à une intensité différente. Ou alors, ça voudrait dire oui, mais d'une manière différente de ce que tu attends. Vous voyez? Enfin, vous voyez, oui, je lui parlais directement à Véronique. Comme si on était en train de se parler, c'est rigolo. Mais c'est vraiment... Sinon, la question telle qu'elle a été posée, c'est non. Et en même temps, il y a quand même une capacité, mais c'est pas pile de la manière dont vous l'attendez. Vous voyez, c'est trop difficile de répondre parce que c'est un peu flou, quoi, du coup. Et puis, on ne peut pas échanger directement, donc c'est embêtant. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que parfois certaines personnes sont influencées par... Parfois par des films aussi, tu vois, quand on voit certains films où, où tu vois les personnes, les médiums qui voient apparaître devant eux, bon, les défunts, ça, donc on se dit, tiens, si j'ai un don, ce sera comme ça. S'il y a un Oui, don, ça peut voilà, être un truc comme ça, ça mais je peut ne crois pas qu'elle ait influencer. vraiment un truc complètement. C'est Voilà. pas incongru ce qu'elle veut, mais
C'est l'intensité qui n'est pas celle qu'elle va avoir, en fait. C'est Voilà. plus une question d'intensité. Disons qu'on a une idée parfois de la manière dont on peut avoir un don, mais comme tu dis, c'est une question d'intensité. Et chaque don, donc chaque capacité psy se manifeste différemment selon les personnes, quoi. De manière Oui, forte ou tout faible. à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer au stage de développer les capacités spirituelles. Quand vous faites quelque chose comme ça, je vous en prie, soyez ouverts. C'est-à-dire que nous, dans nos stages, en tout cas, on n'accueille pas toutes les personnes qui demandent, hein. On se connecte à la personne, on se connecte au guide et puis on voit si c'est OK. Donc déjà, on ne dit pas oui à tout le monde. C'est pas parce qu'on a un stage que tout le monde est, comment dire, à ce stage de développer les capacités spirituelles, c'est pas pour tout le monde. On a d'autres stages qui sont développer l'intuition et la connexion au guide. Là, c'est pour tout le monde parce que c'est un niveau de médiumnité, de connexion spirituelle qui est ouvert à tout le monde. Mais après, développer ses capacités spirituelles, c'est pas ouvert à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand vous faites un stage de ce type-là, ne soyez pas avec des attentes parce que sinon, vous allez attendre un truc. Par exemple, moi, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et en fait, j'entends. Mais comme je suis focalisée sur j'ai pas d'image, j'ai pas d'image, j'ai pas d'image, oui, j'entends un truc, mais c'est pas important. Donc, du coup, on va pas vraiment, on passe du temps dans les stages à apprendre finalement à chacun à savoir quelle est sa capacité. Parce que quand on vient à un stage, on se dit, ah, ben, moi, je croyais que vous alliez me dire quelle est ma capacité. Non, nous, on vous amène à l'autonomie, c'est-à-dire à découvrir les choses par vous-même. Donc, effectivement, on a les guides, on vous fait des entretiens, bien sûr, on va vous dire des choses, mais c'est comment je vais découvrir les choses par moi-même et comment je vais les développer par moi-même à mon niveau. À mon niveau, et mon niveau, c'est déjà génial. C'est pas la peine de vouloir plus, de vouloir moins. Mon niveau, c'est celui que je dois avoir et puis c'est tout. Pour les mails, c'est bon, alors je reviens sur. Je fais l'aller-retour sur le chat. Je suis. Alors, donc, c'est Marie. Là, c'est le coup de pompe, j'avoue. Là, je baille Voilà. avec le coup de pompe. Alors, ce qu'il y a. Bon, je pense que. Parce que Ouais. comment on fait le voyance, etc., c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup plus. Alors c'est voilà, justement j'allais poser la question parce que là on arrive à 2 heures et c'est vrai que bon il va sans dire que c'est quelque chose qui épuise hein. Donc surtout qu'on est sur les questions personnelles depuis maintenant pratiquement 1 heure Ah hein. oui, c'est fatigant, il ne faut pas donc croire. euh, donc euh, voilà donc pour ce qui est du chat live on va arrêter là voilà. Bon voilà, on est obligé parce que bon, c'est. Bah, sauf si vous voulez répondre à des trucs que j'ai dit, mais ouais, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on a Donc. encore des petits trucs à dire et c'est vrai que je vous avoue que là, c'est fatigant parce que je me connecte à distance. Je n'ai pas forcément toutes les infos, les dates de naissance de tout le monde, etc. Alors. Ça marche, c'est chouette, mais ça me fatigue, pour être clair. Bon, je vais quand même lire les dernières. Je vais bon, qui sont arrivés, hein, bon, voilà. Donc, je suis né le Bien sûr. 27, le 27 D'abord 08. le prénom, sinon je ne peux rien faire. Pardon, c'est Marie. Ok. Je suis né le 27-08-68. Mon chemin de vie, la médiumnité, a porté son aide aux autres. Ok. Bien. T'as compris la question? Je suis né le 27-08-68. Mon chemin de vie. La médiumnité apporter son aide aux autres. Alors Marie, est-ce que tu peux être un peu plus claire? Est-ce que peut-être elle demande si son chemin de vie c'est la médiumnité et apporter de l'aide Voilà, aux autres? d'accord. Ça a l'air un peu logique, hein, si on comprend la Oui, question. C'est oui, quand même oui. pas. Si, j'avoue que c'est pas ultra clair. Bah, il y a des points d'interrogation, il y a des trucs, parce que moi je le vois pas, donc. Alors à mon avis, la question est si son chemin de vie est sur la médiumnité ou bien alors si c'est pour apporter son aide aux autres. L'un et l'autre, ça peut aller dans le même sens en fait, hein, Exactement. mais bon. Non, pour moi, ah ben dis donc, on en a des. De toute façon, quand on s'intéresse à l'aide aux autres, on dirait qu'on a tous un peu ce problème-là. Il faut. Il y a trop d'oubli. Mais je l'ai pas déjà dit, c'est pas Marie à qui je l'ai déjà dit tout à l'heure, que je sentais qu'il y avait trop d'oubli de soi et que je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, là, je le sens et ça me rend triste. En fait, je sens beaucoup de peine. Comme s'il y avait beaucoup de tristesse chez Marie et que
Il faut déjà régler ça. Parce que les capacités, oui, la dosote, oui, mais si je dis oui, vous allez le faire maintenant, alors que ça ne sera pas du tout une bonne réponse. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de libérer. Oh là là, ça fait mal. De libérer la peine, de libérer la douleur, parce que ça, vous en êtes rempli et puis vous la. C'est comme si vous. Je ne sais pas si vous avez du mal au niveau de la respiration, si votre respiration n'est pas ample ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si vous preniez des bols d'air. C'est. Et puis après, ça s'arrête et ça s'arrête. Et c'est comme si, en fait, vous vivez votre vie un peu en apnée et que non, bien sûr, aider les autres et tout, c'est cool. Mais à un moment donné, là, c'est stop à l'apnée, quoi. Voilà, Marie. Et après, oui, aider les autres et tout, ok. Mais après. Ok. Bon, Marie, donc Amel, Amel, le 25. Alors, attends, c'est la On même l'a date. déjà eu, hein. Ah, Non, on mais. l'a pas déjà Non, oui, c'est Amel, le 25 août 62. Quel est mon lien avec les Sumériens? eu. Je ne sais pas répondre à la question, je ne sais pas ce que c'est sumérien. Ouais, c'est une civilisation. Ouais. Je ne sais pas. Et puis Ok. j'ai pas eu de réponse non plus qui est venue instantanément. Alors, par contre, Marie, Marie, alors. Donc la question de Marie, dans Marie, je l'encourage, enfin je l'encourage, oui, je l'invite à poser cette question à la prochaine émission avec Perle. La prochaine émission avec Perle sera plus orientée sur les défunts. C'est quoi la question? Si sa grand-mère Bernadette, que je n'ai jamais connue, a-t-elle un message pour moi? Ah oui, c'est bien, Perle, Voilà. elle va aider ça. Donc, ouais, en plus, voilà, donc Marie, c'est la semaine prochaine. Il y a Ah l'annonce, super. voilà, il y a l'annonce qui est faite sur les prochaines diffusions en direct sur la chaîne YouTube. C'est avec Perle, donc je t'invite à revenir dans. Voilà, on sera plus. Perle sera plus dans l'énergie de ce type de questions. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc les deux dernières, donc Jérôme, c'était le 21 novembre 73. Voyez-vous, dans quel cas d'activité professionnelle vais-je m'épanouir car je souhaite un changement? Pour savoir si vous voyez quelque chose et si ça coïncide. Je suis complètement KO. Ouais. Donc, Non, mais si tu veux, on peut arrêter là. Voilà, non, je ne sais pas répondre, je voudrais pas dire n'importe quoi. Là, je suis fatiguée en fait. C'est très fatigant et en plus, pour tout vous dire, ça me demande quand même une petite préparation. C'est-à-dire qu'avant, si j'avais envisagé effectivement qu'on fasse vraiment beaucoup de questions de Eh oui, voilà. voyance, et je n'avais pas envie, hein, je l'ai bien dit tout à l'heure, je me serais un peu mieux préparée, mais j'avais Voilà. pas envie. Donc pour moi, c'est trop en fait. Après, c'est pas contre vous, hein, ceux qui me posent des questions, si tout le Non, monde a le droit de poser sa question, je pense que la mais c'est prochaine juste émission. que Oui. c'est pas le sujet en fait. Ou alors, Oui. on fera. Il faudrait qu'on fasse une émission où on se dit, tiens, on se fait 1 heure de voyance en direct et là, c'est différent. Voilà, ou bien alors on fait. Voilà, je pense qu'on aurait. Ou alors mieux expliquer le principe de l'émission, que ce soit sur des sujets un peu plus généraux. Voilà. Ben, oui, mais la première fois, c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu ce souci-là. On a eu des Voilà. questions personnelles aussi, mais c'était beaucoup plus varié, on Ah, va c'était un dire. peu plus équilibré, oui. Bon, ben voilà. Bon, vous êtes pour rien, les auditeurs, hein. Vous êtes vraiment pour rien. Non, C'est juste pour là. mais c'est chouette. Vous avez vu que les questions, elles se posaient de cette manière et vous avez voulu y participer. Mais cool. Sauf que là, je fatigue trop pour continuer, en fait, pour Bon. être Bon, honnête. en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on réitérera donc l'opération. Ben, ce sera peut-être d'ici la fin de l'année. Hein. Pourquoi pas? La spéciale Noël ou un truc comme ça. Voilà. C'est joyeux Noël, posez vos questions. Pourquoi pas? Ça peut être sympa et je Par serai plus contre, prête. oui, Oui. par contre, ouais, je voulais finir par la question de Nounours. Nounours, je ne t'ai pas oublié. Donc voilà, je vais quand même finir par lui, parce que c'est une question qui implique deux personnes. Salut Nico, merci pour le partage d'éclaireurs que tu fournis. Oui, merci Nounours. Ouais. Salut Sourine. Sourine, je précise que je suis un homme. Oui, mais on a compris Nounours. Oui, on Voilà. le sait maintenant, Maintenant, mais on une sait. fois au début, Tu sais, quand c'est fait, bien fait. je me rappelle que j'ai dit que c'était une femme et du coup ce jour-là, depuis j'ai bien capté que c'était un homme. Merci de nous faire partager tes connaissances. Également, je souhaiterais te demander si tu reçois. Ah oui, bah bon, ouais, Nounours demande la question par rapport à un défunt. Donc, Nounours, la semaine Non, mais prochaine. pose la question, on ne sait Voilà, jamais. ok. Je suis KO, mais bon, des fois, il y a des réponses qui arrivent toutes D'accord. faciles et puis d'autres plus complexes, je ne sais pas pourquoi. Égoïstement, je souhaiterais te demander si tu reçois un message de là-haut pour moi en ce moment, et si oui, lequel?
Alors, j'ai eu, tu vas bientôt te libérer de ta peine. Il y a comme un poids qui vous pèse, en fait, et c'est un poids de cœur. Alors, c'est pas forcément amoureux, par contre, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a fait c'est pas trahison, peine, enfin, j'en sais rien, un truc comme ça, et qui est en train de se libérer comme si vous alliez aller vers une réconciliation générale, pas forcément avec une personne. C'est-à-dire que vous allez dépasser quelque chose qui va vous apporter une réconciliation pour vous-même. Voilà. Et puis, et de continuer votre route joyeusement, en fait. Vraiment de mettre la joie au premier plan dans votre vie. Parce que vous avez une joie très partagée, en fait, communicative et qui apporte beaucoup. Voilà, vous pouvez me faire un retour, hein, si vous voulez. Une autre question qui, j'espère, n'est pas indiscrète. Reçois-tu des nouvelles de Jean-Claude? Et si oui, évoque-t-il sa vie là-haut? Referas-tu une émission avec le père Brune? Comment va-t-il? Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Alors, une émission avec le père Brune, c'est pas prévu. Comment va-t-il? Je ne sais pas. Je n'ai pas une nouvelle récente du père Brune. Et c'est pas prévu. J'y ai pas forcément songé. Mais c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Est-ce que je reçois des nouvelles de Jean-Claude? Oui. Est-ce que je vais transmettre les messages des nouvelles? Non, parce que ça, c'est personnel. Et oui, ça peut arriver qu'il fasse part de sa vie là-haut, mais il m'a pas forcément fait la demande express d'en parler, donc non. Et oui, maintenant, est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est chaque jour? Non, bien sûr que non. Et c'est OK pour ça. Et puis, j'ai aussi des choses assez. Des personnes aussi qui viennent et qui me disent. Là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, Jean-Claude m'a dit de vous acheter ça. Et qui m'a offert un petit prince avec un mouton dans les bras. Et j'ai fait, waouh! Et ça avait une signification pour moi, en fait. Et que la personne n'était pas censée vraiment savoir. Donc, ça m'a. Voilà. Ça peut m'arriver d'avoir des signes aussi de cette manière-là, de personnes qui viennent me voir et qui vont m'apporter quelque chose. Ou m'apporter même un message, ou que Jean-Claude, ça arrive qu'il se manifeste parfois dans une consultation. Mais c'est quand même rare. Et non, je peux même te dire qu'il s'arrive qu'il se manifeste même pendant une émission. Ah oui? Perle, ouais, c'est en direct. Hein, Ah c'est oui, sans ça fil. peut arriver aussi. Surtout avec Perle. Voilà, il aime bien Perle, hein, Jean-Claude. D'accord. Donc, ça arrivait deux fois. Voilà, surtout en fin d'émission. Voilà. Si tu es curieux, voilà, c'est une incitation à réécouter les émissions avec Sorine. Je ne dis pas quand, mais Avec Perle. voilà. Oui, avec Perle, pardon. Donc, c'est arrivé deux fois. Voilà. Mais c'est chouette Et on l'embrasse très fort, bien sûr. Mais bien sûr, et puis de toute façon, il est très présent par plein de. Comment dire, par plein de choses pour des personnes. J'ai des messages aussi de personnes qui le découvrent maintenant, qui écoutent les émissions qu'on a pu faire ensemble ou même avec d'autres et qui découvrent Jean-Claude maintenant, en fait. Et ça, je trouve ça tellement formidable qu'il nous a laissé quelque chose de magnifique. Alors évidemment, je vous le dis très franchement, moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse vivre ensemble dans ce monde terrestre encore plus de temps. Bien sûr, qu'il puisse partager avec nous encore plein d'autres choses, évidemment. Bon, c'est son chemin d'âme, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, en tout cas, c'est une âme très joyeuse, qui est très vif, qui apprend beaucoup, qui parle beaucoup aussi avec d'autres défunts. Mais après, je ne veux pas entrer dans les détails parce que je trouve que c'est pas ma place, puis j'ai pas envie. Bon, pour les personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas qui est. Ouais, ça peut arriver, hein, qui ne savent pas qui est Jean-Claude, il s'agit de Jean-Claude Carton, dont vous pouvez retrouver les archives des anciennes émissions, que ce soit depuis 10-15 ans, sur la chaîne YouTube donc de Akasha. Voilà. Il y a plein de Merci choses. Nico pour tout le Il boulot que tu fais y a plein de choses à de mise en œuvre, tout ça. y a plein de choses à redécouvrir. Voilà. Des sujets dont certains disent qu'ils abordent la première fois, alors qu'ils étaient évoqués il y a bien 15-20 ans, par un certain Jean-Claude. Voilà. Oui, plus toutes les émissions qu'on n'a pas encore mises et qu'il y a des archives vraiment anciennes et que. Bon, Jean-Claude, effectivement, pour moi, c'est quand même un précurseur, hein, faut être clair.
même si d'autres se disent précurseurs, et chacun est précurseur. Moi, Chacun j'ai pas de précurseur. concurrence à faire, hein. Chacun est précurseur parce que peut-être que la première fois qu'on aura entendu parler d'un sujet, ça sera quelqu'un d'autre que Jean-Claude qu'on aura parlé. Et donc, on trouvera que c'est le précurseur, même s'il y en a d'autres qu'on en parlait il y a longtemps et qu'avant Jean-Claude, il y a d'autres gens qui en ont parlé. Mais c'est important de savoir aussi le travail qu'il a fait, qu'il a œuvré pour tout ça la richesse qu'il nous laisse à travers les émissions qu'on peut écouter gratuitement grâce au travail qu'a pu faire Nico de les mettre en ligne aussi. Disons que Jean-Claude avait le sens de la référence quand voilà, lui il connaissait ses précurseurs à lui. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Bon, mais on va vous laisser hein, pour. Alors attends, on a quand même quelque chose à dire. Ah oui, bon, oui, excuse-moi, Sourine. Vraiment, Eh, excuse-moi. on a dit qu'on attendait un peu Oui. la fin, mais c'est pour ça il me fallait encore un petit peu d'énergie. Alors, moi, je voudrais vous dire que je suis hyper enjouée, un peu stressée, on va dire, mais parce que en juillet, je vais faire une interview de Dominique Rankin. On dit ça avec Ranking. l'accent, moi je dis Dominique Rankin, mais bon, j'arrive pas trop à le faire, leur accent. Et Marie-Josée Tardif. Donc Dominique est un chef héréditaire algonquin, donc un Amérindien du Canada. Et donc, je suis hyper contente et ravie cet été de partager un stage avec eux et d'avoir l'occasion de pouvoir faire une interview de Dominique. Donc, si vous souhaitez savoir qui est Dominique, eh bien, vous écrivez Dominique Rankin, j'y arrive pas, Rankin, sur Internet, vous verrez des vidéos. C'est quelqu'un de vraiment qui a un cœur énorme et qui a une histoire très forte. Alors, à travers lui, on peut apprendre l'histoire des Amérindiens, justement, de ce qui a pu arriver à ces cultures autochtones. Et on se rend compte aussi que cette histoire-là, elle a vécu jusque dans les années 80, même où les derniers pensionnats ont été fermés. Donc, je vous dis juste ça, mais je ne vous dis pas toute l'histoire parce que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez commander son livre qui se lit super bien. Moi, je l'ai lu en une journée, j'ai pas pu le lâcher. Et qui s'appelle On nous appelait les sauvages. Donc, aux éditions, je ne sais pas, mais si vous mettez Dominique Rankin, Oui, on On nous trouve. appelait Oui, les on trouve. sauvages, vous allez trouver hyper facilement. Je vous le conseille, ça vaut la peine de le lire. Et puis aussi de tout ce qu'il souhaite faire aujourd'hui pour œuvrer à ce que les cultures autochtones ben, reprennent possession de leur culture, d'où ils viennent, d'avoir la connaissance de leur histoire, parce que ça, c'est un peu sorti, mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça lors de l'émission. Et de nous dire aussi qu'on vit dans un monde moderne, mais sachez que ça existe encore et que si on pouvait trouver des solutions pour agir contre ça, dans certains pays, il y a encore justement la mise à l'écart de certaines tribus, des autochtones, enfin bref. Et je pense que c'est important de mieux savoir comment, d'avoir connaissance de cette histoire. Il faut pas être ignorant. Et moi, j'étais ignorante avant de prendre connaissance de tout ça. Et Dominique, malgré sa vie qui a été vraiment douloureuse, hein, comme chacun peut aussi avoir une vie douloureuse, on est d'accord. Mais peut livrer des enseignements avec la culture amérindienne qu'il a, parce que c'est un homme médecine amérindien, un chef héréditaire, et aussi par son histoire et le chemin qu'il a dû faire par l'acceptation pour pouvoir se libérer de ses vieux démons. Et je trouve que c'est un enseignement formidable et qui peut aider chacun à évoluer dans sa vie, en fait. Donc, ça sera le 17 juillet, heure française, il me semble que c'est, qu'est-ce qu'on a dit nous déjà, 17 heures. 17 heures. 17 heures. Voilà, à peu près, parce qu'il va falloir qu'on fasse des réglages. Oui, approximativement. Enfin, on va dire Voilà. aux alentours de 17 heures, parce que là, c'est vrai que c'est sans filet, donc il sera Oui. 11 heures chez Je peux vous. pas. Donc, du coup, je serai au Canada, hein, parce que pourquoi j'ai dit heure française, c'est parce que je vais être sur place, je vais être là-bas, au centre Kinawatt. Donc, Kinawatt, ça s'écrit Kina8, le chiffre AT. Donc, documentez-vous aussi là-dessus parce qu'il y a tout un tas de projets qui sont super intéressants. Ils font des stages. J'ai pu faire un stage ça s'appelait le stage guérison. Et franchement, je vous assure que ça a fait quelque chose. Et là, c'est un stage de canoë en mode survie, on va dire, pendant 4 jours. Hein. C'est pas non plus quelque chose de fou. Mais où on va pouvoir partager cette expérience. Et l'interview sera faite avant
Le stage, le jour même du stage, en fait. Je vais faire l'interview à 11h et on commence à 15h. Donc ça sera avant le stage. Vous n'aurez pas le après le stage pour savoir comment ça s'est passé, pourquoi pas on aurait pu le faire, mais c'est sympa là de le faire comme ça de manière vraiment plus neutre. Donc rendez-vous le 17 juillet. J'espère que vous serez nombreux parce que ça serait super chouette de pouvoir faire comme on l'a fait là, du direct, des questions, que ça soit vivant comme on a l'habitude de le faire sur Akasha. Et puis je vous donne rendez-vous donc très bientôt finalement parce que on n'a pas besoin d'attendre un mois pour se revoir. Dans 18 jours, on peut recommuniquer ensemble et c'est vraiment super. De toute façon, l'émission est annoncée sur la chaîne YouTube Akasha, donc c'est annoncé en haut dans les prochaines diffusions en direct. C'est annoncé aussi par le site. Il y a le lien, voilà, comme on fait pour chaque émission, il y a le lien de la vidéo. Et ce sera annoncé aussi sur Facebook, aussi bien sur mon Facebook que sur le Facebook de Sorine Tout à fait. que celui de Marie-Josée aussi, voilà, qui sera Oui. aussi là, Marie-Josée Tardif, voilà, qui est co-auteur d'ailleurs du livre. Exactement, qui est co-auteur, c'est aussi la compagne de Dominique, et puis c'est aussi une femme médecine, donc elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et pour moi, c'était très important que cette interview soit faite, pas simplement, alors c'est vrai que je vous ai plus parlé de Dominique, mais Marie-Josée est vraiment une personne qui m'a touchée au cœur. Pendant ce stage, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire une interview. Et pour moi, c'était essentiel que ce soit l'interview des deux et pas simplement l'interview de Dominique, qui est vraiment un homme extraordinaire, d'accord, et un chef héréditaire. Donc, on pourrait peut-être plus le mettre en avant, mais moi, j'ai vraiment envie de mettre en avant les deux parce que ça met aussi en avant l'harmonie, ça met aussi en avant le couple, ça met aussi en avant le masculin, le féminin. Et vraiment, c'est un joli cadeau que la vie me fait d'avoir croisé ces personnes. Et en fait, il n'y a pas que la vie qui me fait ce cadeau, puisque c'est une amie très chère qui m'a fait connaître tout ça. En fait, c'est pas moi qui ai cherché, ça m'est arrivé, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai hâte de pouvoir le faire. Et aussi, j'en profite pour faire une annonce supplémentaire, c'est qu'à partir du mois de septembre, on va remettre en place avec Perle les stages de développement des capacités spirituelles. Donc, on aura trois groupes, c'est-à-dire qu'il y aura cinq séances dans l'année, une séance tous les 2 mois, pour pouvoir avoir le temps d'intégrer, mais toutes les informations seront disponibles sur Internet où vous pouvez écrire pour que je vous envoie le lien. Donc, il y aura un groupe qui ce sera le jeudi, un autre groupe, ce sera le vendredi, et miracle, pour ceux qui nous le réclament depuis tellement longtemps, on ouvre un groupe le samedi, youpi! Donc, il y a même des gens qui vont venir de province, par exemple, pour le groupe du samedi. Voilà. Donc, je vous en parle maintenant parce que ça peut se remplir rapidement. Donc, si vous en avez envie ou si vous voulez vous renseigner, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sont des petits groupes, hein, à chaque fois, pour qu'on puisse bien expérimenter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre participation. Et ça m'a plu aussi de ne pas forcément répondre parce que j'ai écouté ce que j'avais envie de vous proposer, mais j'ai entendu aussi que vous aviez envie d'avoir des moments où vous pouvez poser vos questions personnelles et avoir vos réponses personnelles. Et je suis d'accord avec ça, on fera ça, mais là, D'accord. c'était pas mon énergie du jour. D'accord. Oh, mais ça, il n'y a pas de souci. Dernier message, ça par contre, ça concerne l'Akasha. Je vais vous mettre un petit visuel parce que ce que Sorine a fait, c'est cadeau. Hein. Ce qu'on fait des programmes, ce sont ces cadeaux. Il n'y a rien de payant. Mais ceci dit, c'est toujours bien de donner une petite piécette parfois pour contribuer au développement de cette chaîne. On ne demande pas non plus. Vraiment, parfois c'est le prix d'un café, tu vois, c'est 2 euros, 2 euros, ou plus pour ceux qui peuvent plus. On dit que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. On termine par un petit message qui contribue au développement de cette chaîne par l'énergie qui est mise, par les intervenants comme Sorine, comme Perle, qui vous font tous ces cadeaux d'intervenir et qui font toutes ces émissions. Donc voilà. Libre à vous de contribuer à votre niveau et selon vos moyens, selon ce que vous voulez y mettre au travail de cette chaîne et de ceux qui et celles qui y contribuent. Merci.
Merci.